Il ne voit pas. Bonsoir à tous. Toi? Live from Paris, Brussels, and Montpellier. Ladies and gentlemen, boys and girls, tonight, welcome the team of Papa Poo. Moi, je vois rien. Hein? Ah, voilà. Bonsoir à tous. Nous sommes tous réunis ce soir pour cette grande célébration de 40 ans de Papa Poule. 40 ans jour pour jour. Ah. Le 17 octobre 1980, nous nous retrouvons pour fêter cet événement. Une blague pendant le confinement disait l'année 2020 sera placée sous le signe de la quarantaine. Ben oui, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir. Nous sommes l'une des seules émissions en direct ce soir parce que j'avais parlé à Emmanuel et Jean de notre intention de fêter cet événement ce soir. Donc, ils ont fait des allocutions télévisées cette semaine pour donner un couvre-feu à partir de 21h, pile poil le début de notre émission. C'est pour nous donner une audience captive, donc merci à eux. Quoi, c'était pas bon ? Bon, je remballe. Oui. Eh bien, écoutez, maintenant, laissez-moi passer la parole à mes collègues et vous les présenter les uns après les autres. Donc, ma plus jeune sœur, qui est avec nous ce soir, et va donc Amandine Rajot. Amandine, coucou. Bonsoir. Bonsoir en direct de Bruxelles. Voilà. Nous avons également Raphaël Chachère. Claire. Bonsoir. Enfin, en direct bonsoir. De Paris. Voilà. Nous avons également ma grande sœur, Julienne. Qui est Corinne Unien, mais qui a quelques problèmes de caméra ce soir, donc nous ne la verrons pas. Ben, je ne sais pas. Eh bien, tant pis. Bonsoir, Corinne. Bonsoir à tous, Corinne. Salut, Corinne. Salut, je vous vois, vous ne me voyez pas, mais ça va venir peut-être. Salut, Corinne. Ça va ? Caroline, nous venons de t'apercevoir. Caroline est une personne particulière puisque c'est elle qui a fait le casting du Papa Poule et c'est également elle qui s'est occupée de nous pendant toute la première série. Bonsoir Caroline. Bonsoir à vous. Ouais. J'ai aussi joué en plus, Colette. Ouais. Ben, c'est vrai, mais là on va le découvrir. Ne dévoile pas tout, ne dévoile pas tout. Je ne dévoile plus. Nous avons également la deuxième personne qui s'est occupée de nous pendant la série numéro 2. Et donc, c'était Luce Grégory, pardon. Luce, est-ce que tu as la Coucou, caméra Lulu. Disponible ? Non, on ne voit pas Luce. Ah, Suzanne est arrivée. Suzanne arrive. Nous voyons maintenant Suzanne Legrand qui jouait Eva dans la première série. Bonsoir Suzanne. Salut Suzanne. Bonsoir Suzanne. Coucou Suzanne. Salut Suzanne. Voilà. Je ne te vois pas, mais. Salut ma Suzanne. Elle parle pas. On t'entend pas Suzanne. On t'entend pas. Peut-être des petits problèmes d'audio. Nous avons également avec nous le fils de Sadi Rebo qui a également joué. Ah non, ça c'est un autre fils de Sadi Rebo, ouais, mais comme il porte le même nom ce soir, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, on va stopper ce Jérôme et mettre en place le Jérôme qu'on voulait mettre en fait, qui est donc le fils de Papa Poule qui a joué dans la série et que nous retrouverons également sur des photos. Donc, Jérôme, est-ce que tu es là avec nous ? Je suis là. Il y a juste marqué l'animateur vous a demandé de démarrer votre vidéo. Et bien, donc, tu démarres ta vidéo. J'ai mis OK. Parfait. Ça y est. Vous voyez ? Voilà. Salut. 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 Salut à tous. Ça marche ? Ça marche. Ça marche, oui. Moi, j'ai que 4 personnes à l'écran, c'est normal ? Ah, coucou, Suzanne ! Oui. Ouais. Si tu Attends, touches ton écran, rentré, tu auras d'autres personnes. Moi, j'ai vu Suzanne.
Alors, nous avons également... Salut Amandine, c'est toi Amandine. Oui, on ne t'a jamais vu en vrai. Hein. Mais non, non. Nous, bah ouais, Suzanne, nous sommes live. Nous sommes devant tout le monde, je te rappelle. Bah oui. Et nous avons également Denis Desailly, qui est le dessinateur de Papa Poule et qui a fait tous les beaux dessins que vous avez vus ce soir et on en reverra peut-être d'autres. Bonsoir à toutes et à tous. Coucou Denis. Nous avons avec nous Hélène Cohen, qui a été la femme de Roger et qui sera là pour témoigner de tout ce que Roger a fait sur ce tournage. Hélène, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je tiens à préciser que je ne connaissais pas encore Roger quand il a tourné Papa Poule, donc je pourrais... Voilà, je peux pas. Voilà, j'étais pas présente à ce moment-là, donc je peux témoigner en tout cas des souvenirs que Roger m'a raconté, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de problème, Hélène. C'est déjà pas mal. Et puis, mesdames et messieurs, last but not least, nous avons avec nous l'auteur de la série, Daniel Goldenberg. Daniel, bonsoir. Bravo. Bonsoir, Daniel. Salut Daniel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Rebranche ta vidéo, Daniel. Rebranche ta vidéo, Daniel. Mais comment je la rebranche? Allez, moi, j'ai rien touché, moi. Non, mais c'est moi qui l'ai touché. Maintenant, tu peux la rebrancher. Alors, je la rebranche. Là, ouais. Geoffroy, quand tu parles, je te vois plus. Oui, d'accord. Tout à fait. Mais je... voilà. C'est normal, Daniel, d'accord. Bon, commencer ma vidéo. Ça y est, voilà. Bon, Daniel. Voilà. Essaye, va. Ah oui, mais où? Voilà. Et parfait. Bonsoir, Daniel. Et puis, me revoilà à nouveau. Ah oui. Et donc, nous sommes là tous. Je ne vois plus. Mais ça m'affiche de la merde. Et Corinne? Corinne, pour l'instant, elle cherche sa caméra. Corinne cherche la caméra, parfait. Ah bah, je revois. Guillaume, on ne voit plus Guillaume. On voit plus Guillaume. Si on passe deux heures à dire je vois plus. On ne voit plus Guillaume. Non, on enlève ça. C'est rien, hein, oui. Ah, d'accord. Paramètre de... Eh bien, écoutez, nous avons du temps devant nous. On va évoquer plusieurs souvenirs, plusieurs thèmes. Nous n'entendons pas tous les spectateurs qui sont avec nous ce soir. C'est une configuration qui est voulue pour éviter le désordre en quelque sorte. Mais non, c'est si vous avez du chat qui fonctionne et vous pouvez l'utiliser tous pour échanger des souvenirs. Nous aurons également la fonctionnalité questions-réponses qui doit apparaître en bas de votre écran et qui doit vous permettre de poser des questions particulières auxquelles nous essaierons de répondre. Donc, n'hésitez pas à... Je vais vous quitter 30 secondes parce que ça ne marche pas. Je vais rallumer l'ordi. Et Guillaume n'arrive pas à se reconnecter. Tu l'as déconnecté, Guillaume. Il est... Alors, attends, je vais le... Guillaume... Pas se reconnecter. Alors, on va voir. Guillaume, effectivement, tu as raison. Il faut que je le rebranche. Voilà. Ça y est. Okay. Et donc, Guillaume, tu dois pouvoir te reconnecter. Bonsoir, Guillaume. Et donc, Guillaume est l'un des enfants de Sadi également. Il apparaît sous le nom de Jérôme, puisqu'ils ont partagé le lien. Mais voilà, il est là avec nous ce soir. Il pourra témoigner également sur son papa. Donc... par quoi commençons-nous? Alors, généralement, on nous a posé ces questions pendant des années et des années. On ne savait plus quoi répondre à force. Raphaël, commençons par toi. Je te vois dans ma liste. Comment es-tu venu dans ce feuilleton? Quel était ton parcours avant et quel a été ton parcours depuis, rapidement? Alors, j'avais déjà tourné des films quand j'ai tourné Papa Poule, moins important. J'avais tourné un film, je crois. J'ai toujours une maman qui aimait faire des choses extrascolaires. Voilà, qui aimait les arts, qui aimait la musique, qui avait commencé par me faire faire des photos, des petites photos de pub, je crois. Et j'avais fait un premier...
un premier film sur une photo, ce qui après s'est moins fait, parce qu'après il y a eu, je pense, chez les enfants comédiens ou les enfants petits mannequins, une spécialisation, les uns faisant plutôt des photos et les autres faisant plutôt des films. Et ben voilà, je ne me rappelle plus, comme, je crois que j'avais un agent et qui avait dû nous proposer ce casting. Et j'ai, alors, le casting, je m'en souviens plus très très bien, hein. On a dû faire plusieurs entrevues, petites scènes à jouer, à mémoriser, etc. Et finalement, j'ai fait la première série. Et je crois que je l'avais fait, j'étais en deuxième position après une autre enfant qui n'a pas fait la série. Je ne me rappelle plus du tout pourquoi. Mais je sais que j'ai été prise à la place de cette petite fille. Voilà, et donc j'ai fait les deux séries. Après, j'ai refait quelques films, d'autres films, et après, j'ai arrêté. Quand je suis arrivée à l'âge adulte. Voilà, voilà. Tu faisais beaucoup de musique aussi. Je faisais pas mal de musique, ça j'en ai fait après. J'ai arrêté, pour tout dire, parce que j'ai eu une anorexie assez grave et qu'effectivement, c'est le genre de pathologie qui va rendre très difficile la vie en général, hein, bien sûr. Et surtout, évidemment, surtout ce genre de choses publiques, visuelles, avec une image où il y a des échanges sociaux parce qu'on est très replié sur soi-même. De toute façon, on a déjà un physique qui... Enfin, j'arrivais à des castings pour des filles de 18 ans, j'avais l'air d'en avoir 12, alors c'était compliqué. C'était compliqué. Effectivement, après, c'est vrai que comme on a une problématique avec son image corporelle, on a peut-être encore moins envie qu'elle soit dans cette visibilité de l'image. On se sent peut-être plus décortiqué encore. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait des études. J'aimais bien les études. Et d'autant plus que professionnellement, peut-être que j'étais en recherche de quelque chose de plus sécurisant et de plus stable. J'ai fait de la littérature. D'accord. Voilà, et je suis professeure de français et je suis assez heureuse dans ce métier d'ailleurs. J'aime bien mes élèves, ça se passe bien. Voilà. Corinne. Désolée. Ah, super. Vas-y, présentation de Corinne. De quoi ? Vous en étiez où ? Bonjour à tous. Corinne. Ben, c'est moi qui vais parler depuis 3 minutes. Finissez votre tour. Ça m'a tellement énervée. Finissez votre tour, je vais me calmer. Oui, là, à froid, c'est un peu dur. Alors, pour ceux qui connaissent les deux séries, il y a eu des changements de comédiens entre les deux séries. Et donc, nous avons ici deux comédiennes qui ont joué le même rôle, que sont Suzanne et Amandine. Alors, on va commencer par la série numéro 1. On va passer la parole à Suzanne, qui a joué la première Eva de la série. Tu peux ramener une lampe ? C'est agréable. Moi j'ai commencé j'ai été prise parce que j'étais dans une école qui s'appelait l'école des enfants du spectacle. J'avais joué déjà dans un film de Serge Moati s'appelait T'es grand et puis t'oublies, à moins que ce soit j'avais joué dans un film qui s'appelait Allegra de Michel Wynne. Enfin, j'avais déjà fait un truc avant, je me souviens plus, mais j'étais toute petite. Et en fait, ils sont venus, et je me souviens du casting, ils sont venus à l'école, et ils m'ont... Voilà, j'ai auditionné, puis ça s'est tout de suite très très bien passé, c'était tout de suite très évident, je pense, avec Roger Kahn, on était très... Enfin, moi, il m'a plu, et donc je pense que je lui ai plu aussi, et puis j'ai un souvenir merveilleux de ce tournage... C'était vraiment... Pour moi, c'était merveilleux, parce que... moi, j'avais pas de papa. Parce que mon papa est parti quand j'avais 3 ans et il est parti vivre au Brésil, donc c'est loin. Et donc, j'avais pas de papa. Donc, pour moi, jouer dans un film qui s'appelait Papa Poule, en plus avec une vraie famille, avec des frères et sœurs et tout, et un papa qui assurait hyper fort, c'était comme un espèce de rêve qui se réalisait. C'était parfait et ça m'a énormément apporté. Je pense que vraiment... ça m'a donné... c'était merveilleux pour moi, vraiment. Et puis Roger, d'ailleurs, a continué à se comporter avec moi de manière très paternelle pendant tout au long de ma carrière, parce que moi, j'ai continué. Et donc, il a toujours, d'une certaine manière, veillé sur moi avec bienveillance. Et ça m'a... Voilà, c'est très important pour moi, en fait. Je m'en rends compte maintenant, je ne me suis pas dit ça ni à l'époque, ni...
ni particulièrement toutes ces années, mais en parlant avec vous ces derniers temps, quand on a commencé à organiser ça, et puis je me rends compte à quel point c'était fondateur dans mon envie de jouer, parce que ça s'est passé d'une manière merveilleuse, parce que c'était très agréable, c'était très drôle, qu'on poilait Roger, je sais pas, enfin on en a parlé. Ah, oui, oui. Il y avait des séances de poilage à la fin du tournage, on se jetait sur le metteur en scène, pour les gens qui regardent et qui ne savent pas. Voilà, on se jetait sur le metteur en scène, Roger Kahn, pour lui retirer ses vêtements et le chatouiller comme des fous. C'était, on faisait pas ça tous les jours, mais enfin souvent, on faisait ça. Mmh. Et c'était très, très amusant. Attaques. Comment ? Et là, ça a été gardé, la tradition a été gardée pendant la saison 2. Elle a été gardée sur la deuxième ? Absolument. Voilà. Et on l'attaquait, il était assez poilu, et on lui attaquait ses séances de poilage. Voilà, c'était toi très, aussi, très tu l'as poilu. Mais oui, oui, mais j'ai gardé. Alors, aussi. Vous êtes au courant, les gens avec qui j'ai travaillé, mais pour les gens qui nous regardent, moi, je n'ai pas pu continuer la série, parce que quand il y a eu la deuxième série, la DAS a mis son veto parce que je passais en sixième. Ah ouais. Et que mes notes n'étaient pas démentes. Et que, voilà, ils ont dit non, non, c'est pas sérieux. Donc, j'ai pas pu faire la deuxième série. Mais c'est pas grave, comme ça, Amandine l'a fait. Ah ouais. Et il paraît qu'elle était très bien. D'ailleurs, je l'ai vue, c'est pas qu'il paraît. Elle était très bien aussi. Donc, comme ça, on a partagé un peu cette belle expérience. Eh bien, très bien. Eh bien, Amandine, alors, parle-nous de toi et de ton arrivée dans cette série. Eh bien, moi, j'avais fait aussi un petit peu des petits films, des petits trucs comme ça. Et j'étais à la SFP pour un casting. Et il y a un monsieur qui court après ma mère qui dit « Oh, votre fille a exactement l'âge. Il y a un casting qui se fait en haut. » Et donc, il cherchait effectivement à remplacer, hélas, Suzanne. Et donc, pour faire le rôle de Eva. Et donc, moi, je connaissais la série, évidemment. J'avais regardé. Et j'ai passé le casting et j'ai été prise pour... le rôle de Eva pour la saison 2, et c'était une aventure incroyable. Et après ça, j'ai eu la chance de faire encore beaucoup de films jusqu'à mes 15 ans, une trentaine de films, et puis après, j'ai passé mon bac, et puis j'ai pris des cours au conservatoire, et puis voilà, je fais du théâtre, et je suis également coach pour enfants sur les films. Et donc, moi qui suis toujours restée en contact avec Luce Grégory, qui était notre coach sur la saison 2. Je suis moi-même maintenant coach. Et voilà, et moi, je suis très... c'est un métier que j'aime beaucoup, j'adore faire. Mmh. Et je suis toujours touchée de me dire, ben voilà, la première coach que j'ai rencontrée à 7 ans, qui est Luce. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je suis en Belgique, mais je suis encore en contact avec Lulu. On s'appelle, on se voit. Et donc, ça a été aussi... et Corinne aussi, que j'ai revue à Paris pendant longtemps. Enfin, moi, j'ai quand même gardé quelques... On s'est vu, on a gardé des contacts. Caro aussi, que j'avais revue chez Luce. Enfin, il y a quand même... Oui. De ce film, même si c'était il y a 40 ans, il y a quand même eu des belles amitiés quand j'étais enfant, mais qui ont perduré pendant 40 ans. Donc, c'est pas rien. Voilà. Ouais, et puis, et puis voilà, je continue à jouer, à faire ça. Et... Voilà, c'était un très très beau point de départ en tout cas. Mais ce qui est fou, c'est qu'après, j'ai fait beaucoup de films, beaucoup de séries, et malgré tout, la plus populaire et celle qui restait vraiment dans la tête des gens, ça reste Papa Poule. C'est-à-dire que c'est Amandine de Papa Poule. Même après, s'il y a eu d'autres films merveilleux, c'est vraiment la série qui a marqué les gens de notre génération de manière assez dingue en fait. Voilà. Suzanne, ah ouais, parce que les gens ils me disaient t'as joué dans Papa Poule, mais je regardais ça quand j'étais petit parce que mes parents ils étaient divorcés et en fait c'était l'horreur, j'étais hyper triste, mais quand je regardais la série en fait c'était un divorce qui se passait bien, et du coup ça me donnait vachement d'espoir, ça me faisait beaucoup de bien aussi de pouvoir m'identifier. Je n'étais pas les seules, et c'était pris en compte, il y avait les divorces et pour les mômes c'était dur. Et en même temps, là, du coup, ça se passait bien. Il y avait un... Enfin, voilà, ça les... En fait, moi, j'ai eu plein de témoignages de gens comme ça qui me disaient, mais tu peux pas savoir. J'ai un témoignage à ce sujet. Un jour, j'ai présenté Papa Poule à la FNAC. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui m'a dit, moi, je suis moniteur de colonies de vacances.
et je m'occupe beaucoup des jeunes. Alors, je voulais vous dire quelque chose. J'avais dans une colonie un petit garçon qui avait perdu la parole, complètement perdu la parole, parce que ses parents ont divorcé et qu'il, bon, il a été traumatisé. Et justement, c'est ce que raconte Suzanne, qui est merveilleux. Il a vu la série et il a vu que le divorce, qui était un de mes buts de l'écriture, était dédramatisé et il a retrouvé la parole. Ah ouais? Oui, oui. C'était quand même assez mouvant. Hein. Ouais. Donc, c'est mouvant, oui. Mouvant dans la mesure où c'était aussi une des raisons de l'écriture du film, de dramatiser le divorce, de rendre des choses. Voilà. Bon, bref. Voilà. Mais c'était réussi. Très réussi. Suzanne, tu as Christophe Bigatin qui te dit bonsoir, t'as vu? Il y a un... Ouais, il y a un... salut Christophe. Ah, bon, d'accord. Voilà, parce qu'il faut leur parler peut-être aux gens qui nous. Et comment je leur dis bon, comment je leur parle? Comme ça? Mais il y a un truc où il y a un chat, ouais. Mais sinon on peut faire des petits coucou éventuellement. Corinne, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Alors moi, j'ai été au cours Simon parce qu'en fait mes parents travaillaient dans la pub. Et jusqu'à 14 ans, il y avait un spectacle. Et après 14 ans, on ne pouvait plus participer. J'avais participé au dernier spectacle que j'avais trouvé nul. Donc, j'avais décidé d'entraîner une copine pour faire le spectacle de l'agence de pub de l'année d'après. Donc, j'ai entraîné une copine. On a fait des chansons, des fables. Enfin, et ça a eu son petit succès, bref. Et du coup, mon père me dit, écoute, plutôt que de traîner dans la cité... est-ce que tu veux prendre des cours de théâtre? Je dis, ouais. Donc, il a pris le bottin, fêté le bottin. Il a dit, cours Simon, ça me dit quelque chose. Mercredi, cours Simon. Et là-dessus, Caro est arrivée. Et elle a auditionné, comme elle a auditionné tous les autres. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire Papa Poule. Voilà, c'est tout simple. Voilà, après, j'ai continué un peu. Et puis, comme j'étais un peu plus âgée, en fait, je me suis un peu rendu compte très vite de la complexité de ce métier pour les femmes. Et ça m'a fait un peu flipper. Et je me suis dit, j'ai pas envie trop de me retrouver à 40 balais, à cachetonner. Donc, je suis partie du côté technicien. Donc, Amandine, j'ai fait du coaching aussi, du casting enfant très vite. Et puis après, d'assistante à mise en scène, etc. Enfin, voilà. Et puis, petit à petit... je me suis retrouvée dans la pub et donc maintenant je bosse en tant que directrice de prod, chargée de prod en pub, mais je continue le métier de comédienne. On a fait pas mal de formations aussi avec mon compagnon qui est comédien, formation d'acteur et puis formation aussi pour des chantiers d'insertion, enfin pour du social, des trucs comme ça. Et puis, on a joué au théâtre aussi à Lille. On a joué un peu à Paris. Là, on va sûrement rejouer. On est en train de réécrire. Enfin, voilà. Donc, je n'ai jamais vraiment quitté. Je fais un peu les deux avec ce statut d'intermittent qui me permet de faire un peu de prod et puis un peu les deux. Voilà, en gros. Voilà. Bien, merci, Corinne. Alors, je vais me permettre de me décrire le dernier enfant de la fratrie. Donc moi j'avais pris des cours de théâtre effectivement et c'est Caroline qui m'a retrouvé dans un examen interconservatoire et qui m'a dit écoute demain tu passes une audition à l'SFP. Et quand je suis rentré le soir pour annoncer ça à ma mère, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, nous sommes quand même allés le lendemain à la SFP pour passer cette audition. Et j'ai une petite anecdote, mais on en reparlera plus tard. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Je rentrais en sixième à l'époque et c'est également l'une des leçons que j'ai retenues de Papa Poule, parce que si j'ai bien compris, nous étions également plusieurs finalistes sur le coup et moi j'avais un bon carnet scolaire et c'est ça qui m'a aidé. Et donc, la leçon, c'est que pour rentrer sur une spécialité donnée, il vous faut parfois des atouts dans une autre spécialité. Et ça, c'est ouais. Voilà. Et puis, pour la suite, ma foi, les études ont continué à me plaire. Donc, j'ai laissé de côté le côté artistique. J'ai continué les études. Je suis maintenant très officiellement ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. De façon plus pragmatique, je travaille dans le domaine du contrôle du trafic aérien.
Et je pense que beaucoup de mes collègues que je salue ce soir ne sont pas tous au courant de mon passé de comédien dans Papa Poule. Donc, je risque d'en entendre parler au boulot bientôt. Mais ça, c'est sûr. J'ai surtout eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas ni un côté artistique, ni un côté scientifique derrière. Mais ils m'ont fait confiance et ils m'ont autorisé à passer trois mois de tournage et donc de louper pas mal de mois d'école, à la fois sur la rentrée de 6e et de 4e. Et donc, je les en remercie bien officiellement ce soir, mais très, très tendrement également. Et puis, le théâtre, ben, j'ai eu l'occasion d'en refaire, à la fois de façon amateur et professionnelle, dans un petit théâtre aux États-Unis en particulier. Et la dernière fois que je suis monté sur les planches, c'était en été 2019 à Embrun. Je salue tous les habitants d'Embrun. Et on a pu jouer une petite pièce qui s'appelle La cruche cassée, montée avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Mon beau-frère étant maintenant metteur en scène, Didier Rousselet et Monica Nigoy. Et donc, ça faisait 17 ans que je n'étais pas monté sur les planches. Et ça m'a fait un grand plaisir, surtout que j'ai eu deux filles qui ont pu jouer avec moi lors de cette pièce. Donc, c'était une expérience formidable. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres petites choses en attendant de continuer à passer la parole. Alors, on va voir si ça marche. Voilà. Vous devriez voir maintenant l'un des articles officiels lors de la première diffusion de l'épisode. Donc, vendredi 17 octobre 1980, puisque le feuilleton passait le vendredi soir avant apostrophe, rappelez-vous. Oui, sur la 2. Voilà, sur la 2. Donc, vous voyez 20h35. À l'époque, il n'y avait pas autant de pubs, donc ça commençait bien à 20h35. Et vous voyez Sadie et Jérôme. J'ai changé, hein. Voilà. J'ai changé un peu. Non, tu n'as pas changé, Jérôme. Non. Mais voilà, le 17 octobre 1980, donc nous sommes bien 40 ans après. Et je passe tout de suite sur une diapo suivante. Je vais essayer d'y arriver. Voilà, pour passer la parole à Daniel, qui est donc l'auteur de la série, qui a fait les deux romans que vous voyez. Et on a également retrouvé l'un des scénarios originaux de la série. Si vous voyez le détail en haut à gauche de la page du scénario, vous verrez que c'était imprimé à l'époque en 71 exemplaires. Donc, c'était des exemplaires pour les équipes, pour les comédiens, pour tous les techniciens. Voilà le petit souvenir de cette chose-là. Donc, quelqu'un a encore le scénario ? Ah oui, moi je l'ai. C'est une photo de l'un des scénarios que j'ai. Oui, tout à fait. Moi aussi, je l'ai. Voilà. Ah bon ? Waouh ! Mais de toute façon, il a été déposé à la BN, si tu veux l'avoir. C'était le commencement obligatoire de déposer tout ce qui était scénario à la BN. Donc, il est à la BN. Ah ouais, d'accord. Et Daniel, alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette histoire de Papa Poule? C'est ma vie, quoi, en fait. J'ai été Papa Poule. Donc, et après, bon, je me suis remarié et ma femme m'a dit, mais tu devrais écrire ça, parce que c'est une histoire qui va toucher tout le monde. Et en fait, moi, dans ma vie, ça n'a pas été aussi simple, hein. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit quelque chose d'optimiste. C'est-à-dire que les gens dans cette série ont des emmerdes, mais ils ont une espèce de volonté d'être heureux ensemble. Et ça, j'ai voulu traduire. Et au passage, je dirais que c'est important. Je dois beaucoup à Roger, parce que Roger a respecté entièrement le texte. Il change pas une virgule. Et je crois que ça a donné une cohésion formidable. Mais moi, mon but, en fait, c'est
la réalisation du divorce a montré qu'on pouvait, les femmes pouvaient laisser leurs enfants à un homme, éventuellement, si, comme les hommes font finalement. Mais, et donc, ça a été le début. En fait, j'ai eu le pot, juste avant, c'était un fait de société. Et c'était très moderne hein, pour l'époque. Hein. Ça. Le sujet était très moderne. La première fois qu'on parlait comme tout le monde dans un. Ah oui? On t'entend? Comme tout le monde parlait dans la vie. C'était la première fois qu'on voyait ça. Moi, j'avais un peu l'impression, Goldo, d'un docu-fiction. Du premier docu-fiction qu'on était en train de tourner. Ouais. Mais c'est le résultat de la mise en scène. Excusez-moi, il y a un bruit derrière. Oui, qui est un peu chiant. Et on n'entend pas bien parler, Daniel. Mais attendez, j'ai un souci. Oui, j'ai un problème. Est-ce que ça marche mieux maintenant? Oui. Ça va, on t'entend. Oui. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Oui, on n'entend plus de bruit là. Ah, c'est mieux. Merci. Oui. Continuez, Daniel. Donc, je pense que le document vient absolument de. Non, de c'est revenu, ma chérie. Hein. Mais non, j'ai coupé pourtant. De la mise en scène. Ben, c'est ailleurs. J'ai un souci, moi. Souci de son. J'ai un problème, moi. Daniel, on ne t'entend plus. Il faut rebrancher ton micro. Bon, voilà. Voilà. Merci. Ça va? Ça va, voilà. Vas-y. Il y a des anecdotes sur l'écriture. Quand j'ai écrit la première version du scénario et que Barma, qui était le producteur à la télé, l'a vu. J'ai un problème. Il m'a dit j'ai un souci. C'est absolument nul. Si c'est ça, je ne fais pas la série. Alors, c'était un bon produit. Mais bon, vendredi prochain, tu t'amènes avec le scénario comme il faut. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce scénario? Il faut que ce soit vrai, il faut qu'on rigole, il faut qu'on pleure, il faut tout ce que tu veux, mais démerde-toi, viens avec les six épisodes réécrits et on verra. Alors, je suis rentré chez moi, en plus la mère de ma femme était en train de mourir, enfin bref. Et moi, j'ai écrit une comédie et j'ai réussi. Je lui ai apporté. Et puis il m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas apporté ça la première fois? J'ai mis ça à l'écriture, bon, bref, voilà. Mais l'aventure du papa poule, elle continue, puisque moi, quelqu'un disait tout à l'heure, que je crois que c'était Amandine, qu'on parle toujours du papa poule. Les gens, quand on prononce le mot papa poule, hop, ça y est, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui, etc., etc. C'est toujours une espèce de continuité. Et donc, nous sommes la preuve que dans la vie, il faut d'abord durer. Si on dure, bon, alors on peut être là ce soir et dire, ouais, c'est, il y a 40 ans, bon, mais ça continue. Alors, vous savez que quelqu'un veut refaire la série. Et, je vais y aller. J'espère qu'il a capté l'esprit de la série et que on sera tous contents. Voilà. Mmh. J'en fais le cas le plus ardent.
Eh bien, merci. Merci, Daniel. Je vais partager une autre photo avec vous. Voilà, de Roger et Sadi qui sont là en grande réflexion. Et ça me permet de passer la parole à Hélène, donc la femme de Roger, qui vous l'a dit, n'a pas participé à cette aventure, mais a forcément entendu Roger en parler. Et Roger avait plein de souvenirs qu'elle nous a donnés, plein de photos. Donc Hélène, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Roger ? Il faut rebrancher ton micro. Oui, ça y est, c'est bon. En fait, Roger, c'est vrai qu'il était extrêmement attaché à cette série. Moi, quand il m'en parlait, j'avais vraiment pas l'impression que c'était du travail, quoi. J'avais l'impression que c'était une vraie famille, un vrai de la joie, voilà, tout le temps à l'état pur. Alors, il me racontait effectivement les séances de poilage. Alors, moi, ce que j'avais compris, alors peut-être que je me trompe, vous allez me dire, c'est qu'en fait, les enfants s'amusaient à lui arracher les poils. c'était une petite vengeance en fin de tournage, en fin de ces de jours de tournage. C'était très présent dans sa vie, dans sa tête. J'ai l'impression que cette série a aussi transformé sa façon de voir son métier de réalisateur, parce que je pense qu'avant il avait fait des choses des émissions de prestige, un peu sophistiquées au niveau esthétique, etc. Et que là, le fait d'avoir comme ça à diriger des enfants, il a, à mon avis, trouvé un peu cette façon très libre, très vivante de tourner avec des plans-séquences, avec vraiment un travail beaucoup plus sur les acteurs que sur la technique ou sur l'esthétique. Et ce qu'il a marqué après, vraiment, je pense qu'après, il a trouvé vraiment cette façon de tourner, voilà, avec beaucoup, beaucoup de plans-séquences, de mise en scène, et ensuite d'adapter un peu la technique et la façon de filmer plus au jeu et à la mise en scène. Après, je n'étais pas là, ce que je peux dire, c'est ça, c'est qu'il est resté très... Il était vraiment papa poule, ça faisait partie de sa vie. Et effectivement, comme dit Daniel, tout le monde en parlait tout le temps. C'est-à-dire que quand on rencontrait des gens et qu'ils disaient qu'il avait réalisé papa poule, souvent on lui disait « mais vous savez, vous avez changé ma vie ». Parce que moi, à l'époque, effectivement, ma famille, mes parents divorcés, c'était horrible. Et tout d'un coup, j'ai pu me rendre compte que ça pouvait être joyeux. Et enfin, voilà. Donc voilà. Sinon, il me racontait une anecdote qui concernait Suzanne, je crois, et qui était... il me disait, ah oui, un jour comme ça, dans le scénario, Daniel, tu avais marqué qu'elle devait pleurer et qu'elle est arrivée, la pauvre, en pleurant, en disant, oh, je ne sais pas pleurer, je n'arriverai jamais à pleurer. Donc voilà un peu les souvenirs que j'ai de ce que me racontait Roger. Mais peut-être ça, d'autres choses vont peut-être me revenir. Merci Hélène. Donc, je vais vous remontrer également d'autres petites choses. À propos, il y a une erreur sur le prénom de Sadi, c'est avec un seul D. Ouais, c'est vrai. Ah ben, c'est un scandale alors. Donc voilà, Jérôme qui a également eu l'occasion de jouer dans les deux séries. Alors vous voyez là une photo de la deuxième série où il joue officiellement le rôle du petit copain de Julienne. Vous voyez également une photo de la cantine. Alors ouais. Là, Jérôme, c'est peut-être toi qui te rappelleras où c'était situé. Tu nous en diras. Hein. C'est en Ardèche, ça. À un moment, ça doit être en Ardèche. Ouais. Et donc c'est là où toute l'équipe déjeune le midi ensemble pendant la pause. Donc, ben Jérôme, vas-y, parle-nous un peu de toi, de ton papa. Comment ça a été également de tourner avec ton papa toute cette aventure ?
Et rebranche sans doute ton micro si on ne t'entend pas. Je dis que je suis un piston. Vous m'entendez là ? Ouais. Vous voyez ? Oui. Non, je te dis, je suis un pistonné parce que moi, je suis le fils de Papa Poule, donc je n'ai pas fait de casting, j'ai eu du bol. Mais j'ai un souvenir, contrairement à Suzanne et, qui a, Suzanne et Amandine qui sont partagées le même rôle, moi, j'ai un truc à demander à Goldo parce que c'est le seul qui peut me répondre. Moi, j'ai fait, je suis le même personnage dans les deux séries, mais j'ai deux prénoms différents. Je n'ai jamais compris. Donc, si Daniel peut me répondre, dans la première série, je m'appelais Simon et dans la deuxième, Antoine. Et pourtant, j'étais toujours le copain de Julienne. Donc là, je n'ai pas compris. Ça, c'est un truc, je n'ai jamais compris. Et je voudrais bien avoir une deuxième chose, c'est mon honneur, mais je dois dire que j'avais complètement oublié que dans la première, il s'appelait Simon et que dans la deuxième, je l'ai appelé Antoine et Simon. Non, il n'y a aucune raison sauf. Mais pourquoi? Précoce de ma part. J'ai pas entendu. Il y a tellement de personnages et tellement de choses. Et à un moment donné, pas, moi, il suffit que tu partes sur. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Antoine, ouais, c'est venu. Bon. Voilà. Non, mais voilà, c'est rigolo. Non, et puis la deuxième anecdote, je la raconterai à Raphaël, mais en privé. C'était parce que je l'ai raconté la dernière fois. Parce que Raphaël dit qu'elle a perdu son père, et moi j'avais une anecdote par rapport au décès de papa. Mais je le raconterai en privé, ça va pas vous intéresser. Je l'avais raconté la dernière fois par rapport à une voyante qui m'avait prévu la mort de mon père. Voilà. Ah oui. Et bon, j'en parlerai avec Raphaël une autre fois à l'occasion si on fait un dîner. Comment c'était de tourner avec ton papa, Jérôme? C'était bizarre, quoi, parce que c'était agréable. Il pouvait pas m'engueuler là, donc voilà. Non, j'ai pas d'anecdote particulière sur le tournage. Ça s'est très bien passé. Il m'a pas embêté. J'étais pas très bon à l'époque. J'avais pas pris de cours ni rien. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, voilà. Non, j'ai un très bon souvenir, mais j'étais beaucoup moins là que vous, hein, que vous tous. Donc voilà, je suis une petite pièce rapportée, mais non, c'était un super tournage, mais j'ai beaucoup moins de souvenirs que tout le monde. Voilà, non, c'est pas grand-chose à dire, quoi. Rien de plus, quoi. Bon, eh bien, voilà. Merci, merci Jérôme. On a perdu Amandine, je ne sais pas où elle est passée. Eh bien, on va… J'ai une anecdote que m'avait raconté Sadie, qui est extraordinaire. C'est que quand la première série est passée il y a 40 ans, sa concierge l'a arrêté en bas et lui a dit « Mais je ne savais pas que vous aviez des enfants. » Effectivement. Si je peux me permettre, par rapport à ça, la concierge, toujours la même, ne comprenait pas comment mon père pouvait être devant elle physiquement et dans la télé en même temps. Non. C'est extraordinaire cette histoire parce que c'est vraiment vrai, quoi. Ouais. Alors, Daniel, c'est toi qui as écrit le veto? Oui. C'est toi qui as écrit le veto? Après, il a fait le veto. C'est toi qui avais écrit le veto, Daniel? Oui, c'était Daniel. C'est toi qui as écrit le veto? Le veto? Oui, c'est moi. Alors, dans le veto, j'ai une anecdote, c'est que papa tournait le veto, il y avait l'émission 30 millions d'amis qui voulaient le faire un reportage en disant « Venez avec votre animal ». Le problème, c'est que papa n'aimait pas les animaux. Donc, il avait pris mon chien, quoi, voilà. Il ne leur faisait pas de mal. Il n'était pas un amoureux des animaux. Donc, il a été obligé de prendre mon chien pour faire croire qu'il était amoureux des animaux pour le veto, quoi, voilà. Et je voulais vous montrer ça aussi. Daniel, regarde, tu me vois? Attends, hop. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Clémentine, ouais. Le dossier de presse de Clémentine, voilà. Je voulais, parce qu'il y a Amandine dedans aussi. Il y a pas mal de gens qui étaient sur Papa Poule. Hein. Je crois qu'il y a. Il y a Caroline. Ah non, il n'y a pas Amandine. Je crois qu'il y avait Amandine. Non, il y a Caroline. Non. Ben justement, parlons de Caroline. Et ouais, je Caroline. Vous montre cette photo. Oh. Caroline a eu
a eu plusieurs rôles sur la série. Elle l'a dit tout à l'heure, elle a également été plombier. Ah, voilà, je me rappelais plus. Sur la série. Si, moi, je me souvenais. Voilà. Et elle sifflait également. Mais Caroline a surtout fait tout le casting de la série et puis s'est occupée de nous. Donc, Caroline, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tout ça? Allume ton micro. Et allume ton micro, Caroline. Caroline. Allume ton micro en bas à gauche. En bas à gauche. Micro, micro. Touche ton écran. Il va y avoir un petit icône en bas à gauche de ton écran et avec désactiver ou activer le son. Et donc, pour tous ceux qui nous regardent, nous avons eu quelques problèmes techniques puisque le couvre-feu n'était absolument pas prévu. Caro, on ne t'entend pas. Et ton micro. On n'aurait pas dû se retrouver dans cette configuration. Caroline, donc Caroline se joint à nous avec son téléphone qui n'est pas l'interface classique. C'est pour parler. Fini de parler. Ah, votre micro voilà. Est réactivé, c'est bien ? Oui, oui, c'est bien. Maintenant, on ne te voit plus, mais bon. On t'entend. Alors, attends. Je reviens. Oui. Voilà. Oui. Parfait. Vous avez tout bon ? Oui. On a tout. Vas-y, Caroline. Non, mais j'apprends à faire marcher mon petit téléphone plus intelligent que moi ce soir. C'est de la folie. Merci, Geoffroy, parce que vraiment... la photo que tu as montrée, c'est Colette. C'est la réparatrice en machine à laver qui tombe en rade de Papa Poule. Et dans cet épisode-là, la BD de Papa Poule, les enfants s'étaient ligués pour piquer des dessins, bonjour Denis, de Papa Poule pour les amener à une éditrice, Madame Larigot, Irène Larigot. Et puis il est déjà en retard et Vlatipok, la machine à laver, tombe en rade gravissime. Elle pisse l'eau dans tous les coins et se pointe une camionnette avec la réparatrice Colette, donc ma pomme. Et voilà. Et la première image, c'était la clé à molette derrière la machine où il y avait du linge partout et de l'eau partout. Et derrière, ma voix qui disait « elle est complètement naze ». Et je me souviens de la réplique après dans l'escalier avec Papa Poule qui me disait « mon enfin, elle n'est pas aussi vieille que ça ». Et elle a l'âge de Julienne. Et je disais « mais elle a quel âge, Julienne ?» Et il faisait 15 ans. Et je lui faisais une bouille, genre, ça va bien, il n'y a plus rien à réparer, quoi, mort. Et puis, il sortait avec ses BD sous le bras pour foncer à son rencard, et il entend un bébé dans la camionnette. Petite anecdote en passant, la camionnette en question, je venais de passer mon permis pour pouvoir la conduire. Donc, il était tout neuf. Et donc, il y a un plan qui n'a jamais pu être monté parce qu'ils avaient vissé la caméra côté chauffeur pour que je fasse le tour du coin de Montreuil, du pâté de maison, hein, je n'avais pas été plus loin. Et la ramener, j'étais fière de moi et tout. Bon. Et à l'époque, les roches, on les voyait 3 jours après. Et 3 jours après, Roger m'accueille, mais alors, furibond. En me disant, alors là, bravo, bravo. Moi, j'étais complètement contente de mon petit plan toute seule, sans caméraman, avec la caméra. J'avais pas calé, j'avais tout bon, j'avais passé les vitesses comme il fallait, sauf que j'avais tiré la langue à chaque passage de vitesse. Et dans le genre super doué de la camionnette, tu vois, je pouvais aller me ramasser grave. Donc, le bébé dans la camionnette, ça dit, fait, mais quoi ? Mais qu'est-ce, un bébé ? Et il ouvre la portière et je dis, bah oui, c'est mon fils. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Je le transbahule toute seule parce que on est un peu séparés avec son mec, mon mec, et voilà quoi.
Ouh, Vlal Sadi qui prend le bébé sous le bras, qui remonte, qui oublie son rencard et qui change le Nestor. Grand dessin de Denis de Sailly du bébé Nestor. Enfin, voilà. Et c'est toutes les aventures autour de cette BD, de cet épisode. Mais pour en revenir donc au casting, oui, j'avais déjà travaillé... J'avais fait déjà deux films avec deux téléfilms avec Roger, dont un de non peut-être le deuxième après, je me souviens plus. Donc mon premier avec Roger, c'était un scénario de Daniel Goldenberg et c'était Marthe 19 ans 18, un texte magnifique sur le début des suffragettes avec Nathalie Juvet dans le rôle principal. Et c'était les débuts des suffragettes voilà, à Paris. Et, parce qu'elle quittait la ferme familiale au fin fond de la France profonde et montait à Paris pour vivre sa vie. Et c'était le parallèle entre ces deux femmes, Marthe, et puis Antoinette, que j'ai eu la chance de jouer, qui, elle, restait à la campagne, qui avait accouché de son fils le dernier jour de la guerre et jour où était mort son mari. Donc, elle ne pouvait pas tenir la ferme toute seule, elle épousait un gazé de la guerre de 14, enfin, un cauchemar pour elle. Et la petite Marthe, elle... partait donc à Paris pour vivre sa vie, découvrir un atelier de couture et puis ses débuts du féminisme. C'est pour ça que je dis que je suis très très redevable au texte parce que Papa Poule, évidemment, on a été une bande hyper joyeuse, mais sans le texte de Daniel, on n'est rien. Et Daniel a le don. Ça m'émeut en vous en parlant, de toucher à des choses très fortes comme ça et à les dire légèrement. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai commencé à sortir les mouchoirs parce que quand il parlait de Papa Poule, c'est lui, manifestement, il avait vécu. Mais Daniel a envie que ce qu'on montre... soit une panacée en fait pour les autres, soit mais ça peut se passer bien, voilà, il est fait comme ça. Et donc j'avais travaillé avec Roger, il avait repéré, puisque j'avais un bébé dans le téléfilm, que je m'entendais bien avec les enfants et tout ça, et m'avait dit: dis donc, on va crouler là avec les assistants. À l'époque, ça n'existait pas, les castings. Et il m'avait dit: est-ce que tu veux bien faire la recherche d'enfants? C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Et puis, j'avais dit oui. Donc, j'étais curieuse de ce que je pourrais trouver. Voilà. Et puis, donc j'ai foncé au cours Simon, d'abord, puisque j'avais été... apprentie comédienne au petit cours du jeudi où j'ai découvert Corinne, parce que le petit cours du jeudi, peut-être c'était le mercredi, et j'ai tout de suite vu Corinne et tout de suite je lui ai dit: oh, tu vas venir. Il y avait pas longtemps que j'avais dû faire deux ou trois cours au cours Simon, je venais d'arriver. Mais justement, c'était parce que connaissant Roger et pour avoir lu, en tout cas, j'ai dû travailler sur les premiers épisodes, peut-être pas tous dès le début, mais je savais que Roger recherchait surtout pas des comédiens formatés, mais quelque chose de vrai, que ce soit ou chez les enfants, ou chez les adultes d'ailleurs. Les comédiens, ils agissaient de la même façon. Quand par la suite, je lui ai posé la question en lui disant: mais Marthe, pourquoi tu m'as choisi moi? Elle était un peu plus âgée que moi et tout. Et parce qu'il m'avait dit rien au moment de la rencontre. Et il m'avait juste dit: parce que tu n'avais pas de vernis à ongles.
Bon. Voilà. Ça, c'était tout, Roger. Très bien. Tu sais que tu peux la, ce film dont tu parles, tu peux l'avoir à Lina. À Lina. Est, Oui. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir en streaming ou même l'acheter, je crois. Ah, mais je le reverrai avec bonheur. Ah ouais, bah. J'irai voir à Lina, voilà. Il y est, il y est. Moi, je les ai récupérés tous. Ah, moi, j'ai une question pour Daniel Goldenberg. Vas-y, ma grande. Ouais. Eh ben, je voulais savoir, est-ce que les gens qui avons incarné Papa Poule, on a correspondu à ce que tu avais imaginé? Eh bien, je dois être le seul auteur français vivant qui dit oui. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu, parce que moi, je n'avais pas assisté tellement au tournage du premier, parce que c'était l'auteur, quand il arrive sur le tournage, il est gênant. Même s'il fait rien d'ailleurs pour être gênant, il est gênant, quoi. C'est l'intrus. Donc j'ai découvert, en fait, en voyant quelques roches et puis après en voyant le montage. Non, c'était vraiment ça, une correspondance entre lui et moi au niveau du texte. Moi, je me suis pas permis de dire à Roger, bon voilà, la mise en scène c'est comme ça, etc. Bon, je lui ai dit, je suis entre tes mains, c'est à toi de jouer, quoi. Bon, il a bien joué. Moi, je voudrais raconter une petite anecdote par rapport à cette histoire de roche. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce dont il s'agit, et par rapport justement à la volonté naturelle de Roger. Alors, les roches, c'était des petits bouts de séquences que l'on projetait quelques jours après pour s'assurer que voilà, on avait ce qu'on voulait. Et il ne voulait pas du tout que nous, les enfants comédiens, nous les regardions pour ne pas que nous changions voilà, notre façon de faire ou que nous commencions à surjouer ou à faire quelque chose qui ne soit pas naturel. Et ces projections avaient lieu dans un garage qui était à l'arrière de la maison, qui était fermé par une double porte en bois. Et ce que personne ne doit savoir, c'est que nous, on se précipitait derrière pour regarder dans le trou de la serrure, pour regarder ce que... Voilà. Et je me rappelle quelques fois, alors je ne sais pas ce qu'on faisait là, si c'était tous les soirs, je me rappelle un ou deux soirs où on était là, on regardait par le trou de la serrure pour essayer de s'apercevoir et de voir un peu comment on était, parce qu'effectivement, pendant tout le temps du film, on n'avait aucune idée de notre image. On ne voyait rien. Et ça m'énervait sur le coup, mais maintenant, je me dis, comme j'étais aussi très étonnée, petite, qu'on ne soit pas maquillée. On n'était pas du tout maquillée ou à peine un du peu tamponnée. Voilà. Moi, j'aurais voulu qu'on soit maquillée. Je me disais, c'est trop naturel. Voilà. Mais oui, mais c'est pour ça, Rafa, que tu avais été le... je ne t'avais pas présenté... J'avais fait tout le casting. Je savais que tu étais très formatée par tes parents. Je t'avais trouvée dans une petite... Tu avais effectivement un agent. Tu étais dans une agence de pub mannequin qui jouait. C'est ça, oui. Tu ne faisais pas que des photos. Tu étais totalement... Oui, tout à fait, oui. Ce dont Roger se foutait éperdument pour... en tout cas les personnages qui cherchaient, ils souhaitaient la vérité. Et à l'époque, tu faisais là où on te demandait de faire. Et comme, en fait, tes parents, je me souviens que pendant le casting, quand on m'a donné ce petit bureau après à la SFP, je faisais en sorte de recevoir les enfants sans les parents. Jamais. Évidemment que j'avais rencontré les parents, évidemment, mais très vite, j'ai vu que les enfants se comportaient très différemment sans les parents. Je leur trouvais une envie à eux de jouer ou pas, d'improviser, de lire, de savoir lire, d'être intelligent sur le texte. Ça, c'était important, ces premières qualités, tu vois. Mais il y avait...
je me souviens, et après j'en ai été, effectivement, cette petite, elle n'a pas eu l'autorisation, peut-être qu'elle n'avait pas eu de bonnes notes comme Suzanne pour la deuxième saison, je ne sais pas. Donc, tu as été un second choix, mais un second choix dont il s'est réjoui, parce que sur le tournage, tu t'es mélangé complètement aux autres. Mais j'avais du mal. C'était difficile pour moi. Moi, j'étais une petite fille très appliquée, très petite fille modèle. Et on me demandait d'être une enfant. D'ailleurs, parce que quelquefois, je regarde des films, je les ai vus très tard. On m'a offert des DVD, mais très longtemps, c'était quelque chose qui était passé dans ma vie. Et je n'ai pas cherché à les regarder. Et c'est vrai qu'il y avait des gros mots. Alors, j'étais vraiment une petite fille sage, très scolaire, très obéissante. Et c'est vrai que quelquefois, il y avait un côté assez déchaîné, relâché hein, chez les enfants. Chez et les tu petits te relâchais personnages. C'était formidable. Mais j'avais du mal. Je me rappelle, tu avais de mal. Plus de enfin, mal. Ça ne se voyait pas. Hein. Mais, bah voilà, tu avais la petite Suzanne à côté de toi qui t'entraînait. Tu n'étais pas la dernière à faire des conneries. Hein. Non, c'est possible. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'il y a des fois, des choses, je les faisais. Et je me disais, oh, en vérité, je ne ferais pas du tout ça. Mais bien sûr. Même toute petite, hein, vraiment. Mais je me souviens totalement de tout ça. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'une fois que Roger a eu son casting d'enfants, donc Geoffroy a raconté, effectivement, je l'avais vu dans un... J'avais fait les conservatoires de quartier, j'avais fait plein de choses, mais les petits cours avec enfants, ça n'existait pas. Donc, voilà, j'avais... Et j'avais présenté donc des vidéos à Roger, qui après avait rencontré les enfants des visus, mais et qui était totalement ravi. Et sur le tournage, je me souviens par exemple de ta maman, et tu souhaitais bien faire comme ta maman t'avait demandé et tout ça. J'avais une liste longue comme le bras. De choses qu'il ne fallait pas que tu manges. Parce que tu as parlé de l'anorexie, là, tout ah, à l'heure. Ah oui. Et, c'était déjà présent. Et ta maman. Et donc, j'avais acheté une bouteille de Primpéran dès le début du tournage, sachant c'est que sujette, ben, évidemment, sujette à des nausées, des trucs, des machins. Et puis, assez rapidement, à un goûter, je t'ai vu croquer dans un choc au prince. Et je me suis dit, oh merde! La bouteille était prête. Elle n'a pas été ouverte du tournage, Rafa. Oui, non, mais ça, c'est tout à fait possible. Et je t'ai laissé manger tout ce que tu voulais. Tu faisais très attention, déjà, parce que à la maison, on t'avait donné l'habitude de ça. Oui. Mais tu mangeais de tout et très, très bien. Non, mais ça, c'est vrai que oui. Après, je me souviens que tu voulais épouser le prince Andrew, tu étais très branchée. Ah, c'est Gotha. Possible Gotha. Aussi. Gotha monde. Non, je vais épouser le prince Andrew, je vais épouser l'autre, William, voilà ça. Et c'était assez c'est possible, je oui. Je me souviens pas, il y avait des trucs, des histoires de princesse. Je me rappelle que j'avais écrit une histoire où j'avais fait mourir de rire tout le monde parce que c'était une famille noble dont je faisais partie. J'avais dit, on allait faire un pique-nique, les domestiques portaient les paniers. C'est moi de foutais de moi quand on a la phrase. Oui. Et moi, c'est toujours un dessin de toi que tu m'as offert à ma petite Carou chérie, je ne sais pas quoi, rose d'une princesse. Comme on dessine à ton âge, comme tu sais, avec toutes les pampilles, les trucs, les machins. Oui, je dessinais ça, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais qui était tout à fait magnifique. Et je l'ai toujours à la maison. Ah, bah, tu étais très conservatrice. Hein. Il y a des gens, des choses, c'est un an de ma vie, Papa Poule, tu vois. Oui, et Roger, oui. Justement, ne voulait pas les familles sur le tournage. Ah, mais donc, bien raison. Donc, je vous récupérais à Châtelet le matin. Je me rappelle très bien, oui. À Montreuil. Je faisais hyper gaffe parce qu'il y avait des changements de plan de travail hein, aussi, de la veille au lendemain.
que vous sachiez les scènes et tout. Oui. On a récupéré quelques coups. Et puis, une fois à Montreuil, nous, on avait notre petite pièce, rien qu'à nous, les enfants et moi-même, tout en haut de la maison, où je faisais en sorte qu'il y ait les temps de pause réglementaires, que les cours soient... Parce qu'il y a eu des moments sur les vacances, très bien, mais des moments sur la scolarité aussi. Il n'était pas question que vous ramiez comme des bêtes après, en rentrant à l'école, au lycée, ou où vous en étiez, quoi. Voilà. Non, bon, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Daniel au niveau du scénario, des familles et tout ça. Moi, j'ai ce souvenir-là, en tout cas, qu'en fait, on s'était très soudés avec Geoffroy, comme si on était vraiment frères et sœurs. Et Raphaël et Suzanne, je parle de la première série, mais ça a été pareil après avec Amandine, étaient aussi très, comme si elles étaient deux sœurs. Mmh. Et avec nos mères, on avait aussi ce comportement-là. C'est-à-dire que cette famille recomposée était quand même très soudée du côté d'une mère et de l'autre, même si on était ensemble. Et c'est vrai qu'on était super complices. Et aussi par l'âge. C'est très important l'âge à cette époque. Ouais. Vous étiez les deux grands avec Geoffroy et les deux petites après. Ouais. Oui, ça je me rappelle ça très bien. Ouais. Et ce qu'il y a aussi de magnifique dans le scénario de Daniel, c'est que les deux mères qui sont parties parce qu'elles ont un boulot prenant, elles sont éprises de liberté, ces femmes. Elles aussi, elles sont féministes. Elles aussi, elles avaient envie de vivre leur vie et pas simplement de mère. Alors que Papa Pou, il adorait ça. Mmh. Donc, ouais, il avait... C'est hyper moderne. Mais et justement... Il y a un rôle hein, de mère avec son bébé dans la camionnette, le fait de faire un plombier femme et non pas un plombier homme comme on attendait, ben oui. Convenu. Oui, oui, donc, oui, oui. Tout ce qui a écrit Goldo était finalement pas très convenu. Non, pas du tout. Pour l'époque, quoi. C'est bien, c'est ça qui a fait le charme aussi de cette C'était série. Génial. C'était ouais. génial. Et le papa poule, il y a une grande scène avec le compagnon, et c'était Brian Baker. C'était un des fils adoptifs de Josephine Baker, un beau grand gars métis superbe. Et on se retrouve d'ailleurs à la toute fin, quand tout le monde revient à la fin de la première saison à la maison, je ne sais plus, un anniversaire ou je ne sais pas quoi autour de Papa Poule. Et on revient tous les deux avec le bébé en lui disant... Ben, voilà quoi, il avait fait en sorte de nous rabibocher. Mmh. Ah d'accord. C'est incroyable parce qu'à vous écouter comme ça, en fait, je me rends compte que tous mes choix artistiques depuis 40 ans, en fait, étaient vraiment déterminés par tout ce que j'ai, par toute cette esthétique-là. Et je m'en étais jamais rendu compte. J'avais conscience d'avoir des choix esthétiques particuliers et des grandes convictions par rapport à ça, mais je savais absolument, j'avais jamais tilté que ça venait de là, quoi. Et moi, je me souviens d'une chose, ma Suzanne, c'est que tu adorais faire les cadres entre tes doigts. Ouais. Et tu cadrais tout et n'importe quoi juste entre tes doigts. Tu étais très intéressée par la... Voilà. Et ça ne m'a pas étonnée que tu réalises plus tard ton premier court-métrage. Bah oui, bah, comme je te disais, le fait que Roger m'ait confié le rôle du metteur en scène dans ce générique, pour moi, c'était comme un blanc-seing. C'est comme s'il m'avait dit, c'est bon, tu peux être metteur en scène aussi, tu vois. J'étais toute petite. Et après, ça m'a semblé complètement évident, ça m'a jamais fait peur. Donc, j'ai réalisé quelques trucs. Après, j'ai laissé tomber parce que je trouve ça trop fatigant. Mais sinon, j'adore ça. Je vous propose de passer 2 minutes sur la série numéro 2 et de donner... Bah, quand même. À Luce. Bien sûr. Luce, donc, que vous voyez sur cette photo, dans ce petit arrondi, là, c'est une photo qu'on a dû prendre au moment où on partait en Ardèche, parce qu'il y a toute la famille qui est avec nous. Vous vous rappelez, donc, Charles, qui était joué par Jean-Pierre Rampal, Lise, qui a été jouée par Gwenaël Mince-Pécheux, et je la salue. Parce qu'elle a laissé un petit mot sur le blog dont on parlera tout à l'heure de 2 minutes.
Il y avait également Christian qui était joué par François Attal. Et puis, il y a ce petit bonhomme, là, Manu, qui disait toujours non, oui, joué par Alexandre Pecker. Et donc, sur cette photo, dans le rond rouge, vous voyez Luce. Luce qui jouait le rôle de Caroline, c'est-à-dire la personne qui s'occupait de nous sur le tournage pendant la deuxième série. Donc, Caroline, qu'est-ce que tu peux nous... Luce, pardon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Je peux passer le bébé à Luce en disant que la deuxième série, moi, je tournais beaucoup comme comédienne à l'époque, quand on m'a proposé la deuxième série, et que j'avais dit à Roger, ça, c'est pas possible. C'était un choix. Ma vie, elle était autour du jeu, de jouer la comédie, même si j'avais vécu une expérience passionnante. Donc, Luce était une amie. En plus, je l'avais re-rencontrée, une amie comédienne qui jouait déjà quand j'étais au cours Simon. Et elle était la compagne à l'époque de Didier Vasseur, qui a écrit la musique de Papa Poule. Oh, ouais. Didier, voilà. Et donc, je vais accompagner Roger, parce que tout m'intéressait, chez Didier pour la musique. Et j'avais renoué avec Luce. Et Luce, voilà, elle a eu le bébé de la deuxième série. Et à toi, la Lulu. Je veux bien parler, mais est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Très bien. Bon, oh, d'accord. Et on te voit. Non, mais déjà, Caro, je crois que c'est toi qui m'avais mis sur mon premier casting d'enfant que j'ai fait avant Papa Poule. Oui, parce que je... m'avais proposé à la suite de Papa Poule. Bon, alors là, j'avais mais 5 gamins. Oui. Bon, voilà. Alors, j'avais déjà cette expérience, OK. Et après, j'ai pris le relais, voilà. Et puis, dans un couloir de la SFP, la formidable SFP, j'ai croisé Amandine. Et après, quand le problème Suzanne s'est présenté, bon, ben, c'est Amandine qui a pris le relais, voilà. J'ai peut-être été maladroite, je m'en excuse auprès de Suzanne que je connais mal, que j'ai croisée une fois chez Corinne il y a longtemps. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Parce que moi, j'ai assisté à la conférence de production parce que Roger avait écrit une lettre à la directrice de Suzanne en lui disant que vraiment, c'était nul, c'était à chier de faire ça à cette petite fille, que si il voulait qu'elle aime les études, c'était pas le meilleur moyen, etc. Et la dame était revenue sur ces trucs. Et bon, et tout d'un coup, on reçoit la nouvelle qu'elle accepte que Suzanne tourne. Là-dessus, on avait déjà tourné pendant 8-10 jours et la production a dit c'est un peu dur. Et Roger a dit bon, c'est vrai, c'est un peu difficile. En plus, Suzanne a eu sa déconvenue. On ne va pas donner une déconvenue à une petite fille qui est formidable, qui s'est intégrée et qui fait parfaitement le job. Voilà. Donc, ça s'est passé pas comme ça. C'était pas de ta faute, Luce. C'était pas de ta faute, tout ça. Mais non, moi, j'y suis pour rien. Hein. Ah c'est oui. Pas de ma faute. Moi, je parais à ce qu'il fallait faire, quoi. Ah, évidemment. Je sais que c'est pas de ma faute, mais le jour où je te l'ai dit chez Corinne, je m'en souviens très bien. Tu étais très jeune et c'est je me souviens que tu as été blessée. Tu t'en souviens pas? C'est très vieux. C'est moi où? Ben, c'était quand tu étais encore avec le père de Romain dans votre premier appart. Tu avais invité Suzanne à dîner. Et je lui ai dit. Je ne pense pas. Mais bon, tu étais un peu jeune pour le comprendre. Tu étais très jeune encore. Et je pense que maintenant, tu le comprends parce que tu connais les impératifs de production. Et si ça se présentait à toi, tu aurais un choix à faire et tu le ferais. Mais à l'époque, ça t'avait heurté parce que tout d'un coup, dans ta petite tête, tu étais gaminette encore. Hein. Enfin, jeune fille. Tu t'es dit, merde, j'aurais pu faire ce tournage, j'aurais pu continuer ma vie là-dedans. Bon, la merveille de l'histoire, c'est que tu continues ta vie et tu as continué ta vie artistiquement et tu la continues tous les jours. Et je te souhaite tout le bonheur du monde avec ce que tu joues en ce moment. Et je serais ravie de te connaître parce que je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Voilà. Tu peux venir me voir dans la cantatrice chauve où je joue d'ailleurs grâce à Hélène. Ouais. Je joue tout le mois de novembre. Non, grâce à toi, Suzanne. Bah non, grâce à Hélène. Enfin, c'est toi qui m'as branché dessus.
Mais elle t'a ouvert la porte et t'as le talent pour, quoi. Mais, alors, ce qu'on est en train de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que tout se passe par cooptation. Et c'est un peu ça. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ce métier se fait comme ça. Alors, c'est très injuste pour ceux qui veulent mettre le pied dans la porte, commencer, débuter, parce que c'est des connexions. Mais ça marche pour tout dans la vie, les gars. Il n'y a pas que les milieux du spectacle, je voudrais dire ça. Ça se passe partout, ça se passe à la poste, ça se passe partout. Ça se passe chez les machinaux, chez les tournages qui prennent leurs cousins, leurs fils, leurs arrière-grands-pères pour faire le job. Et donc, c'est la vie, quoi. C'est la cooptation, c'est comme ça. C'est le carnet d'adresse et c'est un peu triste, quoi, mais c'est la vie. Voilà. Bon, Elus, la vie avec nous, alors, c'était comment? Oh, bah écoute, moi, c'était cool, hein, parce que j'avais vécu un tournage autrement plus difficile avec un metteur en scène qui m'avait dit dès le départ, je ne le citerai pas, je ne veux pas salir sa mémoire, paix à son âme, qui m'avait dit, moi, les enfants, c'est comme les chiens, je suis comme W.C. Fields, je ne leur parle pas, c'est vous qui leur parlez. Donc, c'est là que j'ai tout appris, ça a été merveilleux pour moi. J'ai appris à diriger les gamins, à tout gérer. Il y a des anecdotes incroyables. Mais j'ai tout géré, ils ne voulaient même pas manger avec eux, quoi. Ils ne voulaient pas les voir, ils ne voulaient pas leur parler. Donc, c'était très différent. Donc, Papa Poule, oui, c'était tout cool. Hein. C'était soft à côté. Mais voilà, j'ai appris the hard way, mais j'ai appris beaucoup parce que j'ai appris de moi que je savais faire ça. Voilà. Et je l'ai fait longtemps, longtemps après pour beaucoup d'autres séries conséquentes. Et voilà. Bon, bah, et donc, dans la vie, il ne faut jamais rien regretter. Même les trucs qui te semblent insurmontables au départ, tu fais oh, écoutez, ok, je vais le faire, je vais faire le job. This is it. Eh ben, merci. Faut être combattant. Merci, Luce. Voilà. Nous allons passer maintenant à Denis, puisque oui, voilà, il y avait un dessinateur dans la série, un double dessinateur, voire même un triple dessinateur. Donc, Denis, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce sujet? Alors, vous m'entendez? Oui, oui. Vas-y. Entendez, très bien. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai de l'émotion en moi, là, voilà, parce que j'ai revu aussi le premier épisode il y a très peu de temps. Et c'est troublant de ce raccourci, pour rallonger dans le temps, voilà, de vous voir comme ça 40 ans après, de se dire aussi qu'on a vieilli, bah, c'est un fait, c'est la vie. Et il y a plusieurs choses. Je vais vous donner un peu quelques anecdotes aussi, des souvenirs de tournage. Moi, pour moi, quand je parle du Papa Poule, c'est vrai que je dis que j'ai en quelque sorte doublé Sadi Rebo dans la partie dessin, c'est-à-dire que je me souviens notamment d'une scène à la Tour Eiffel où j'avais enfilé son imperméable, donc j'avais passé ma main droite pour dessiner en direct, et là j'avais quand même eu un peu les jetons. Je dessinais je crois que c'était une de ces femmes ou une amie peut-être sur la table du restaurant. Et voilà, là, ça a été mon moment quand même un petit peu ça, oui, de trac, parce que je fallait pas que je rate la caricature, quoi, le dessin. Bon, voilà, ça, c'est un petit épisode de jeu. Je me suis retrouvé un petit peu à jouer aussi dans ce film par moment. Et puis, il y avait en amont, il y avait tout le travail, effectivement, de préparation en fonction du script, des affiches. Il y avait Ménagex, Liberna Femme, il y avait le grand coup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec ce type qui sortait des gens qui fumaient une affiche. Ah oui, je me rappelle ça, oui. On dirait un coup genre Tour Eiffel. Alors bon, voilà, il y avait, donc j'ai quand même des souvenirs de tournage. Et puis il y a toute la partie dessin, illustration, où là aussi je peux vous dire aussi que ça a été une très belle rencontre avec Jean-Claude Lattès, c'est-à-dire Daniel et Jean-Claude Lattès, où dans le bureau de Jean-Claude revenait des USA. Et puis on parle de la poule et Jean-Claude dit c'est formidable, j'ai vu, je reviens des USA, on a fait une présentation de livre, c'est un aigle qui ouvre ses ailes. Et puis on s'est ah oui. Enfin, Daniel s'en souvient sans doute, et la tête, enfin, je sais pas, je dis on pourrait peut-être faire que la poule
c'est le visuel qui est derrière Geoffroy, que cette poule ouvre ses ailes. Donc on a fait une grande chemise comme ça qui présentait les bouquins. Donc je me suis retrouvé quand même à créer, c'est vrai, ce visuel avec beaucoup beaucoup de plaisir. Cette poule, voilà, cette poule papa, et puis ces petits boussins à côté. Bon, donc il y a l'élément visuel qui moi m'a plu. J'étais content effectivement que cette image passe. Ça s'est bien passé. Mais surtout, bon voilà, enfin moi ce que je veux dire, c'est remercier aussi Daniel là devant vous. Quand même, bon, même si je suis son beau-frère, on a un lien de parenté avec Daniel, puisque ma compagne est la sœur de Denise. Elle est là à côté de moi, Claire. Donc voilà, tu peux rentrer dans le champ. Voilà, Claire. Donc qui? Bonjour. La sœur de Denise. Voilà, donc il y a une histoire de famille aussi qui a joué un petit peu aussi après avec Daniel, notamment dans le film Clémentine. Puisque c'est un peu aussi notre histoire qui s'est greffée après. Voilà, donc pour terminer, je dirais qu'en ayant revu cette première série il y a très peu de temps, j'étais également dans une émotion particulière. J'étais très très ému à l'écoute encore des dialogues et de choses effectivement très fortes, très belles. La fugue du cinéma, c'est une très belle écriture, et ces petites qui partent au cinéma, qui vont au cinéma en plus sans payer, en passant par la porte arrière, je trouve que c'est d'une grande beauté, quoi. Voilà. Donc il y a hommage à ce travail d'équipe. Je crois que j'ai vécu aussi votre bonheur de jouer, de tourner ça. Je crois que ça reste dans les épisodes. Et comment t'as été contacté, comment t'es arrivé là-dessus, Denis? Bah, écoute, par Daniel, mais il faudrait que Daniel me resitue un petit peu comment il m'a présenté à Cannes. J'avoue ne plus savoir. J'ai pas passé de test. Je crois que ça s'est fait. Naturellement. Non, mais c'était évident. Tu connaissais comment, toi, Daniel, Denis? Comment? Tu connaissais Denis comment? Bah. C'est mon beau-frère. Ah, pardon. Ah, bah voilà. Bah, par Denise. C'est le beau frère. Voilà, cooptation, c'est ce que je disais. Voilà. Denise de Casabianca, la grande monteuse. J'ai toujours aimé ce que faisait Denis. D'ailleurs, il a fait toutes les couvertures de mes livres, en plus, pas seulement Papa Poule. Mais toi, tu disais la poule, c'est pas une poule, c'est un coq. Oui. Non, c'est important. Une poule, tu changes tout le scénario. Non, c'est un coq. Bon. Et je me souviens d'un mot de la thèse qui était assez drôle. Il dit, ah ouais, alors Papa Poule, c'est vraiment un beau titre. Mais faut pas que ça devienne Papa Cool. C'est cool, c'est casse la gueule. Parce qu'une personne avait eu le film. Il faut pas que ça devienne Papa Cool. Voilà. Et puis après, nous, Denis et moi, on a tenté de faire une BD. Et d'ailleurs, Denis a fait les premières planches, etc. Et puis bon, mais moi, je voudrais raconter une anecdote qui vaut quand même son pesant d'or. C'est qu'après la première série, comme vous savez, la gauche est arrivée au pouvoir avec Mitterrand. Bon. Ouais. Ils ont changé tout le monde à la télé. Donc, nous, on pensait qu'on allait faire la deuxième série. Barma l'avait lancé, etc., etc., etc. Finalement, on y est arrivé, mais on y est arrivé vraiment, vraiment, vraiment rare. Et quand on a fait la deuxième série, qui a été diffusée, on a été convoqué, Roger et moi, par le successeur de Barma. Et il nous a dit cette chose incroyable. C'était qui, bon, Daniel? C'était qui? Un réalisateur dont j'ai oublié le nom et je ne regrette pas de l'avoir oublié. Bon. Donc, il nous dit à Roger, à moi, j'ai besoin d'une série familiale. Le con. On se regarde, une série familiale. Mais il n'y a Papa Poule, on peut plus, oui. Les Papa Poule. On peut en faire des milliers, si Dieu nous prévient.
Ah non, 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 non. Ah non, non, ça c'est trop spécial. Non, non, une famille. Une vraie famille. Ouais. Oh. D'accord. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée de faire l'âge vermeil, de faire tout avec des vieux. Avec tous les vieux que j'aimais, que c'était Daniel Darieux, Jean-Pierre Aumont, enfin, etc., Suzy Delaire. Et là, Roger a dit « Ah ouais, ça c'est une bonne idée. » On devait en faire 6. L'autre rigolo, là, nous en a fait que 4. Mais je vais vous raconter une anecdote qui est jolie, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte, mais quand on a été voir Suzy Delaire chez elle, parce qu'on voulait qu'elle joue un rôle, elle m'a dit « Votre scénario, c'est de la crotte. Votre scénario, c'est de la pure crotte. » Alors, j'ai dit, moi, je me suis levé, je dis, je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, elle me dit, non, mais vous prenez tout de suite la bouche, elle me dit, vous prenez tout de suite la bouche. Je dis, non, c'est-à-dire que si le personnage, par exemple, avait quelque chose en plus, alors je dis, il est déjà pas mal le personnage, je dis, oui, mais quelque chose d'autre. Alors, elle a dit, une tortue, par exemple. Est-ce qu'elle peut avoir une tortue? Elle dit oui, de temps en temps. Je ne sais pas si elle n'avait pas appelé Nunuche. De temps en temps, elle appellera Nunuche, elle cherchera Nunuche partout, etc. Alors moi, je dis, oui, pourquoi pas? Il y a une tortue, après tout. Pourquoi et pas trop alors, tortue, quoi. Oui, voilà. Voilà un bon scénario. C'est assez simple, tu crois rêver. Merci. Merci, ouais. Daniel. Il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter et que je vais passer à l'écran. Quelqu'un qui est en dehors du groupe, mais qui, toutes ces années, a fait vivre tous ses souvenirs. Il s'agit de Nathalie. Nathalie Didil, qui a tout un blog sur Internet, qui a recueilli de magnifiques photos, et j'ai tiré certaines des illustrations ce soir de son site. Donc Nathalie… Elle a un joli nom, ton guide. Si tu actives ta caméra et ton micro, tu peux te joindre à nous et nous raconter d'où te vient cette passion sur cette série et qu'est-ce qui t'a conduit à retrouver ces traces, ces articles, ces photos et même le lieu de tournage. Et ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné, le lieu de tournage en comparant les vues qui sont disponibles sur Internet maintenant et les vues de la série. Donc, Nathalie, es-tu là? Essaye. Allez, vas-y. On t'entend, mais on ne te voit pas. Ah, je te vois tu pas. Tu peux même brancher ta caméra et on te verra. Mais oui, normalement, ça marche. J'ai testé cet après-midi, ça marchait. Eh bien là, non, tu as ta caméra coupée, là. Nathalie Rabier. Branche ta caméra. Attends, ah oui, d'accord. Vas-y. C'est bon ? Vas-y. Ah, oui, vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Voilà. D'abord, je voulais vous dire, d'abord, j'étais extrêmement émue et très fière que vous ayez tous accepté cette invitation. Bon, je voudrais remercier Geoffroy d'abord. Grâce à lui, il vous a tous contactés, et ses sœurs de cœur, tous les gens qui ont permis cette série à l'époque. Je suis vraiment très touchée que vous ayez tous accepté de venir ce soir et de témoigner. Voilà. Et en même temps, très touchée parce que cette série, effectivement, a marqué tout le monde. Et dès que j'en parlais, moi, depuis plus de 20 ans, moi j'ai 50 ans, mais ça fait 30, voilà, 20 ou 30 ans que j'en parle autour de moi, à mes amis, à ma famille. Et aux gens que je côtoie à droite à gauche, et à chaque fois, tout le monde est très enthousiaste sur cette série. Tout le monde a de super souvenirs, toutes générations confondues, c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Mmh. À la fois les petits, comme moi, qui à l'époque avait 12 ans, à la fois ma grand-mère qui regardait avec moi, ma maman. Toutes générations confondues, c'est ça, je pense que c'est très fédérateur, quoi. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument à parler sur le blog. C'est bon, j'ai donc un blog sur la culture des années 70-80. Notamment sur les séries marquantes de cette époque-là. Je tenais absolument à rendre hommage à cette petite jolie série. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver tous les documents que j'ai pu trouver, toutes les informations que j'ai pu trouver, être la plus exhaustive possible, donner des détails et surtout ce qui
qui m'a tenu beaucoup à cœur dès que j'ai voulu écrire ce sujet-là, c'est retrouver les lieux de tournage. Alors, ça n'a pas été facile parce que j'avais aucun détail, mis à part que c'était à Montreuil, donc ça reste quand même assez vague, Montreuil. Donc, j'ai essayé de chercher. Et en fait, j'ai passé des heures et des heures sur Street View pour retrouver, j'avais aucun détail, hein, mis à part physiquement la maison, mais bon, en plus, elle a été détruite, donc je ne pouvais pas la retrouver. En fait, j'ai fait avec le mur d'en face de la maison, cette espèce de mosaïque qu'on voit juste en face de votre maison. Il y avait une mosaïque sur une espèce de garage ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, à force de faire toutes les rues, j'ai fini par retomber, mais ça fait des heures hein, quand même. J'ai fini par retomber sur cette fameuse histoire Papa Poule. J'ai plus de batterie, hein, moi je vais brancher un peu. Histoire Papa Poule. De quoi ? Des photos ? Ouais, quand tu as cherché, tu n'as pas fait le lien avec le fait que la maison était devenue un square qui s'appelait le square Papa Poule. Mais pas du tout au début, je ne le savais pas du tout. Pas du tout. Et ça, j'ai écrit le sujet il y a très longtemps et je ne savais même pas qu'il y avait un square en fait. Donc tout simplement, moi j'ai cherché, j'ai fini par trouver la mosaïque un jour dans une rue. À force de faire toutes les rues, mais ça a mis un temps infini quoi. Ah oui, j'ai fait toutes les rues une par une autour de Montreuil. J'ai fini par trouver cette fameuse mosaïque sur le mur et donc. J'ai regardé, j'ai fait en face, la surprise, la maison. Et j'avoue que là, ça m'a un petit peu... pensé à faire détective privé. Ouais, j'aurais pu, ouais. Une deuxième carrière, ouais. Et en fait, j'étais hyper déçue, quoi, de voir que, voilà, il n'y avait plus de maison. Ça m'a un mini traumatisme, quoi. Parce que, voilà, cette maison était attachante, voilà. Et puis, c'est le symbole de cette série, quand même, hein, la maison. Tu sais, cette maison, elle a tourné encore plusieurs fois dans quelques téléfilms avant d'être détruite. Ah bon ? Voilà. Ah, je ne savais pas qu'elle avait servi à d'autres tournages. La SFP, oui. La SFP l'avait investie, l'avait trouvé très, très sympa après la deuxième saison de Papa Poule. Et il y a eu deux, trois, peut-être un peu plus tournages là-bas. Et voilà. Et le métro, c'était Croix de Chavaux pour nous les petits loupiaux. Ouais, et on y allait à pied, c'est cela. J'adore ce parallèle avec le dessin là de Denis. Ce n'est pas mon dessin ça. Non, c'est le premier illustrateur sur la première série. Je crois que c'est Loro. Geoffroy, tu pourras me confirmer, mais c'est Loro. Oui, alors il y a eu plusieurs dessinateurs, effectivement, puisqu'il y avait également le dessinateur de la BD. Je ne sais pas si c'était le même ou pas, puisque c'est un style tout à fait différent. Mais oui, cette maison, et puis ce parallèle-là des dessins et de la maison, donc toute cette histoire qui se mélangeait entre la réalité et la fiction. Ouais. Oui, le fondu, la fin. Ah oui, il est parfait, il est beau. Génial. Génial, génial. Mais alors toi, Denis, le bébé Nestor, c'est bien de ta main ? Le bébé Nestor, non, je pense que c'est Loro aussi. Ah, bon. Il y a beaucoup de dessins du qui ne sont pas... La première saison, c'était pas toi, Loro, alors ? La première saison, je ne crois pas. Loro, il a été le dessinateur de la première saison. C'est ça. Et puis, Enfin, je le dis parce que c'est vrai, il n'était pas du tout dans l'esprit de la série. Il n'était pas du tout... il faisait des dessins qui ne correspondaient pas du tout à l'esprit de la série. Et puis bon, moi, je n'étais pas très content de ça. Et puis, c'est quand j'ai pensé à Denis, je dis à Roger, c'est Denis qu'il faut prendre, il a l'esprit de ça. L'autre, il faisait des dessins... comment je peux dire, je ne sais pas, je ne veux pas le blesser, mais ce n'était pas l'esprit de la série. Un peu à l'emporte-pièce. Non, c'était... Non, mais le visuel ne correspondait pas à la série, quoi, le traitement de l'image. Il n'était pas du tout dans l'esprit de la série, c'est tout. Quoi. C'est bien Daniel. Il n'avait pas des talents. Si je peux me permettre, par rapport à ça, une petite anecdote. Ma sœur et moi, ma sœur jumelle et moi, donc les deux enfants de Sadie, quand on voyait à la fin du générique, quand ça se transformait en dessin, on était terrorisés de cette image. Je ne sais pas pourquoi on avait 5 ans, on ne la comprenait pas, cette image, et ça nous faisait extrêmement peur. Donc, on arrêtait avant le générique parce qu'on avait cette image. Ah, c'est drôle. On était terrorisés. Je ne sais pas pourquoi, dans le cerveau d'un enfant... On était terrorisés par cette image. Ça nous a vachement marqué. On en parle encore aujourd'hui. Donc... Comme si ça figeait les choses. Oui, ben, en fait, je crois que papa devenait un dessin, quoi. Papa devenait un dessin.
Ouais, papa devenait un dessin et on comprenait pas le. C'était un peu abstrait, mais on comprenait ouais. l'image. Et donc, on voyait notre père, voilà, qui devenait. Un dessin. Ouais. Un dessin, ça nous faisait peur, je ne sais pas pourquoi, mais ça nous traumatisait. Quoi. Ah, Nathalie, juste un truc sur ton blog, parce que du coup, quand j'ai commencé à communiquer, j'ai des potes qui m'ont appelé en me disant « je ne savais pas que tu étais peintre dans l'aube maintenant ». C'est pas ça ? Du tout. Ah, je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Mais moi non plus. Bon. Donc, c'était assez rigolo. Donc, ouais. Pour moi, je trouve toutes mes excuses, vraiment. Ça n'a aucune importance, c'était juste drôle. Voici quand même. Qui m'ont appelé, qui m'ont dit je ne savais pas que tu allais changer de carrière en une semaine. Bon, ça va, c'est flatteur quand même, ça va, c'est joli. Oui, bien sûr. Je suis désolée, je vais corriger, bien sûr. Non, mais c'est juste rigolo. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, les anciens enfants, parler du chien, du rapport que vous aviez avec ce fameux grand Danois. Alors, attends, tu me casses tout, là. J'avais une question sur l'animal. Bon. Désolé, Geoffroy. On va y arriver. Il y a quelqu'un qui a écrit que c'est Juliette Mills qui habite dans l'Aube et qui est peintre. D'accord. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, j'ai oui. confondu. Oui. C'est possible. C'est possible. Je sais que Juliette est peintre. Ouais, j'avais recherché. Oui, Juliette, elle est devenue peintre. Ou, je ne sais pas, mais elle est peintre. Voilà. D'accord. Bon. Je vais vous proposer d'aborder un autre sujet. Donc merci beaucoup Nathalie de t'être jointe à nous ce soir. Ah oui, merci. D'avoir merci. Fait vivre tous ces souvenirs tout au long de ton blog, c'était absolument magnifique. Ah ouais, moi j'ai été surprise, je savais pas du tout que ça existait et. Comment moi non plus. Plaisir je... et une grande pensée pour Sadi Robot surtout. Ouais, évidemment. Hommage à lui ce soir. Comment je peux le voir sur on enverra le lien, Daniel. Ah, je vous présenterai le lien un peu plus tard sur l'écran. Je vais essayer de le taper en direct. Merci, Geoffroy, au top. Yes. Merci à toi. Je voudrais qu'on parle deux minutes de notre grand-mère. Ah oui. Madeleine. Madeleine. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque à tous, là, cette grand-mère Non, moi, j'adorais. Elle était adorable, en plus. Ah ouais. C'est une vraie grand-mère. On avait l'impression que c'était pareil, que c'était vraiment notre grand-mère. Et Geoffroy, moi, j'ai souvent mes filles qui me font ta 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 ta. Et si on braquait la grand-mère? Oui, ça, je me rappelle. Ouais, c'est... La grand-mère, voilà. Donc, Madeleine Barbulé, on allait dans une petite maison. C'est qu'elle elle a jamais été mariée. Elle était. Elle a jamais eu d'enfant. Ah ouais. Ouais. Elle était. C'était une dame seule. Elle n'a pas. Ouais. C'est elle a l'air très maternelle pourtant. Mais comment elle joue? Moi, j'avais joué avec elle quand j'étais acteur. J'ai joué avec elle dans Les Oiseaux de Lune. Et Madeleine Barbulé. Madeleine Barbulé, c'est là que j'ai fait sa connaissance et c'est une femme formidable. Ah ouais, tout joli. Oh, quand je te vois, Corinne, je trouve que tu es magnifique. Bah, merci. Ouais, ça fait plaisir. Comment ça se fait qu'on ne se voit pas plus souvent? Bah, t'habites à Rome déjà, c'est moins pratique. Non, je suis en ce moment, je suis à Paris. Ah, t'es où? Bah, je suis à avenue Parmentier. C'est pas vrai, on est à côté. Ah, oui, alors on n'est pas loin. On est à côté. Je suis en face. Bah, tu fais signe quand t'es à Paris, grand. Je suis en face de l'hôpital Saint-Louis, moi. Moi, je habite après l'avenue de la République dans l'autre sens, au 76. D'accord, bah écoute, on se voit la semaine prochaine, hein, y a pas de souci. Oh, bah oui. Eh bah, écoute, Daniel, tu es conscient que maintenant tu as donné ton adresse à tout le monde. Moi, j'ai une question. Luce, ton micro, il est fermé. J'ai une question pour tout le monde. Voilà, j'ai un truc à dire. Guillaume. Et ça s'adresse particulièrement à Corinne. Bon, j'écoute alors. France Inter, on peut me le reprocher, peu importe. J'écoutais une émission où étaient invités Toledano et Nakache. Et on leur demande de, traditionnellement dans cette émission quelle est leur série préférée. Et un des deux, je ne sais pas lequel, a dit Papa Poule. Et oui. Il a dit, moi quand j'étais gamin, j'étais amoureux
de la jeune fille. Et alors attends. Donc, à mettre entre bonnes mains. Oui, non, mais Luce, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai commencé dans la pub, j'ai été à la Young et je faisais ce qu'on appelle TV Prod, c'est-à-dire que je recherchais des réalisateurs pour réaliser des films de pub qui étaient plutôt des films test pour Danone. Et, Corinne, tu m'entends ? Oui. Corinne, tu m'entends ? Oui, on ne t'entend pas bien. C'est mon beau-père qui était directeur de la Young et Rubicam. Ah bon ? Mon beau-père était directeur de la Young, voilà. Donc, attends, juste fini. Oui, il y a Guillaume qui voulait causer. Ouais. Juste après, je finis l'anecdote, Guillaume, pardon. Et juste après, et donc quand j'étais dans cette boîte, et donc je faisais des espèces qu'on appelait des films de test pour Danone, qu'on appelait des cook-and-off, et on me demandait de chercher des nouveaux réalisateurs, et Toledano et Nakache venaient de faire un court-métrage qu'ils ont transformé en long métrage après, qui s'appelait Les Jours Heureux, histoire de colonie de vacances. Et donc, j'avais chopé leur bande et je leur avais fait faire un film test, voilà, Danone. Et donc, j'ai bossé avec eux sur un des premiers films de pub. Mais je pense qu'ils ne savaient pas que j'étais l'héroïne de Patrick. Non, ils n'ont pas fait la corrélation avec Julienne. Mais il y en a un des deux qui dit « Moi, j'étais red dingue de Julienne. » Bon. Vas-y Guillaume. Alors, déjà Corinne, on s'est peut-être déjà croisé parce que je suis directeur de création de BETC. Donc, Non, mais on va se rappeler, t'inquiète pas. Parce que je pense pour une nouvelle boîte que j'aime beaucoup et un pote à moi. Donc on s'en parlera. Avec plaisir pour BETC. Non, j'avais une question en fait. Il était comment sur le tournage, papa? Adorable. Il était super gentil avec les enfants. Il était hyper patient. Il nous aidait. Enfin, vraiment, il y avait. Puis c'est pas facile pour un comédien de tourner avec des enfants. Ça, tous les comédiens le diront. Comme de tourner avec des animaux, d'ailleurs. Ils aiment pas trop. Et non, vraiment, c'était. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, les autres, mais. Il était... Non, mais moi ça j'ai une petite. Ça lui posait pas de problème. Non. C'est moi j'ai une petite anecdote. Vous m'entendez ? Vous m'entendez tout ça ? Alors un jour, je me rappelle, c'était la deuxième série. Et alors, on devait attendre une scène qu'on devait tourner. Et on était avec Sadie et il me dit « Ah, bah j'ai une nouvelle. Là, ils vont changer de titre pour la série. Ils ont décidé d'appeler ça « Monstres et monstresses ». Et alors, je me rappelle, j'avais eu un petit moment de doute. Je m'étais dit quand même, c'est une drôle d'idée. Je lui avais dit « Non, mais c'est pas vrai ». Il m'avait dit « Ah, si, ça va être « Monstres et monstresses ». Et après, je me suis dit, non, il se fiche de nous. Ah non, non, bon, il était très, très amusant. Non, mais il avait beaucoup d'humour, il blaguait tout le temps avec nous, et on se faisait toujours des coups les uns les autres. Je ne me rappelle pas une fois il ait râlé ou qu'il ait eu un moment d'impatience, alors qu'il y a des moments où on devait être un peu casse. Je me rappelle des scènes où il y avait des fous rires, où je ne sais pas, une fois on était assis sur un banc près de la table de la salle à manger, et je crois que c'était Amandine qui était tombée. Qui s'était assise de travers, il avait dit reste avec nous alors que c'était pas du tout écrit. Enfin, il me semble qu'il était très patient et que c'était agréable de tourner avec lui, hein, ça c'est sûr. Mmh. Il n'était pas dans son coin, il participait vraiment avec nous. Et oui, c'était... il était. Moi, le souvenir que j'ai de Sadie, c'est qu'il était vraiment un moteur de décompression pour tout le monde, que ce soit côté technique, réalisation. Où ça pouvait fumer quelquefois parce que ça partait, les enfants, pas toujours là où il fallait des trucs, des machins, même si ils adoraient ça, mais il fallait vous rattraper quelquefois sur des choses. Et Sadie était toujours quelqu'un qui faisait que le bateau restait stable. Restait tranquille sur une eau calme et justement ce dont vous avez parlé en tout début, la séance de poilage, c'était pour faire baisser la pression surtout des tout petits, des deux petites, et Geoffroy s'y mêlait quand même assez vivement pour avant le retour familial à Châtelet, parce que quand même, on est dans une contrainte. Tu vois, ce qu'Hélène a dit très, très, très joliment, Roger a découvert, en tout cas le premier,
et puis a pris ses aises très certainement sur le second Papa Poule, sur la deuxième saison, mais il arrivait de quelque chose de beaucoup plus formaté, de beaucoup plus on faisait comme ça, on faisait donc il a appris avec les enfants beaucoup de plans séquences, mais il fallait des plans de coupe. Pour ceux qui n'y écoutent, qui n'y connaissent pas, c'est les plans séquences. On tournait, il faut le rappeler, à une caméra à l'époque, et on prenait l'ensemble de la scène, mais il y avait des moments, ce qu'on appelle de raccord, où il fallait ou un gros plan d'un enfant, d'un autre, d'une réaction, de ceci, de cela. Et ça dit. A été le moniteur de colo avec Roger, quoi, et le papa Noël de tout le monde, tout le temps, tout le temps. Et il a été d'une humeur, d'une stabilité merveilleuse, quoi, merveilleuse, tout le temps. C'est le souvenir que j'en ai, effectivement. Modérateur, c'est ça. Roger, lui, dans son rôle de réalisateur, gérait toute l'équipe technique, tous les plans, etc. Donc, on a vu Bien Roger sûr. Parfois s'énerver, piquer des colères. Oui, et ça dit, c'était pas le cas. C'était vraiment le papa, tout en douceur. Il y a plein de photos. J'essaierai de vous les passer tout à l'heure où on nous voit, nous, les gamins, s'agrippant à la fois à l'un et à l'autre. Mais ça dit, ah oui. Était vraiment très 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 doux, très très calme. Moi, j'ai le souvenir en particulier là de cette scène où je vole des cassettes, bien entendu, et on est tous les deux là et où il me passe le savon, mais en étant très doux. Donc c'est le personnage, mais c'était lui qui était derrière, quoi. Et c'est ça qui était vraiment très agréable. En tout cas, je peux vous dire que c'était dans la vie exactement le même que celui que vous décrivez. Très bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Guillaume, tu sais que tu es avec Mélanie. Est-ce que c'est Mélanie derrière toi? Ah non, c'est ma petite copine. Salut Mélanie. La petite copine. Bonjour. Mélanie ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle s'occupe de sa fille, puisqu'elle a une petite fille de 4 ans et demi assez turbulente et qu'elle devait la coucher à 21h. Elle regrette, elle s'excuse vraiment de ne pas être là et ça l'aurait énormément touché. Ça devait être à 19h au départ, elle devait être là et à 21h elle ne pouvait plus. Voilà. Ah d'accord. Dieu sait, c'est ma soeur, elle est super. C'est Mais vous avez été tous les deux les jumeaux cadeaux dans la vraie vie de Sadie. Mmh. Il venait de tourner Papa Poule et on a appris que dans la vraie vie, il allait devenir papa de deux jumeaux. Bah, c'est exceptionnel, quoi. Ça me touche énormément, comme tout ce qui est dit ce soir et comme de vous voir tous. Moi, j'ai l'âge de la série, hein, je vais avoir 40 ans dans deux mois. Donc, ben voilà. Ouais, donc, merci. Mais c'est extrêmement touchant parce que moi, j'ai connu l'après. Donc, j'ai connu l'après Papa Poule, donc mon père que tout le reconnaissait dans la rue tout le temps. Tout le monde voulait voir en l'appelant Papa Poule, ça l'agaçait parce qu'il disait toujours je m'appelle Sadie Rebaud et Papa Poule, parce que dans la rue c'est Papa Poule, c'était le papa de tout le monde, hein. Donc voilà, on était sans cesse interrompus dans les restaurants parce que les gens voulaient un autographe à l'époque, hein. Bah ouais, heureusement qu'il n'y avait pas les selfies parce que ça aurait été l'enfer, et il a toujours été gentil, il n'a jamais refusé aucun autographe, il a toujours été gentil. Ma mère, ça pouvait l'agacer un peu parce qu'on était interrompus souvent. Mon père, il a toujours été, voilà, pour les fans qui venaient le voir, adorable, il donnait du temps, il était, enfin, c'était vraiment un être, voilà, d'une bienveillance incroyable dans sa vie, et je crois qu'à son décès, voilà, beaucoup de témoignages nous ont prouvé que c'était un homme assez extraordinaire. Je regarde, j'aurais voulu donner la parole à quelqu'un mais qui a disparu, et c'est peut-être dommage, mais je vois l'heure qui avance et effectivement on avait plein de choses à dire. C'était sans doute Val, vous irez voir sur le blog de Nathalie, elle avait une histoire très, très touchante à raconter, puisque elle, son père n'avait pas divorcé mais son père était veuf. Et donc, j'avais envie de l'entendre. Oui, elle a regardé la série à côté de son papa. Et elle a vécu cette série, je dirais, à la première personne, vu sa situation, puisqu'elle s'est retrouvée dans,
dans cette chose-là. Et, ça aurait été peut-être bon de l'entendre, mais je vois que visiblement, elle est déjà partie. Tant pis, mais donc je voudrais la saluer parce qu'elle a fait des beaux messages sur le blog. Je vous montre rapidement un élément dont on a parlé tout à l'heure qui a été évoqué par Nathalie, c'est bien entendu le... Ah oui, et le voisin, et notre voisin là qui... Par Jacques. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque à tous là, ce souvenir de ce chien et de ce voisin? Moi, j'ai le souvenir d'une excitation permanente. J'ai le souvenir que je m'amusais comme une folle quand il y avait le chien qui aboyait, qui courait et que nous, on sautait de sa gueule, on courait derrière. J'ai le souvenir d'un moment de délire complet, quoi. Moi, j'ai le souvenir du jour où Zeste est mort. Oui, c'est ça. Et c'est vrai. Oui. Et on a dû le remplacer sur la deuxième série. Voilà, bon. Par lui-même, d'ailleurs. Mais ce qui m'a inspiré le personnage de Jacques, c'est pour moi un frère, c'était un homme extraordinaire, Jacques. Oui, super comédien. C'était vraiment un homme extraordinaire. Et alors, lui, il avait un chien berger, et il était un berger allemand. Et quand je voyais avec son chien, j'étais toujours en train de dire, mais il faut, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un personnage comme lui? Parce qu'il était amoureux de son chien et il lui parlait comme un être humain, enfin ça. Et c'était d'ailleurs un être humain. Et donc, c'est lui qui m'a inspiré. Et je regrette énormément qu'il ne soit pas là non plus ce soir. Remarque, lui, ça serait peut-être le plus vieux de nous tous, oui. Ça m'aurait empêché d'être le plus vieux. Parce, bon, enfin, quand j'ai dîné avec Geoffroy, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, mais moi, il y avait deux techniciens qui m'avaient marqué. C'était l'accessoiriste, ouais, qui avait une camionnette absolument incroyable où tout était rangé au cordeau, plein de petites vitres, de trucs complètement incroyables. Et également du costumier et de son habilleuse. Comment il s'appelait, le costumier? Donc, c'était Manuel Cortosa. Oui, Manuel Cortosa. Et la costumière, je ne me souviens plus de son prénom. C'était Edwige. Edwige, non? Voilà. Oui. Et les deux, c'était un duo incroyable. Moi, Manuel, il me faisait hurler de rire. Mm-hmm. Il n'y avait pas un monsieur à la lumière qui s'appelait Roger aussi? Fontana, il était caméraman de la première saison. Roger Fontana, exact. Roger Fontana. Et Bataillon a fait les deux saisons. Et sur la deuxième saison, Guy Cosol à la caméra. Et Guy Cosol, voilà, le grand baraqué Guy. Voilà. Et il venait me chercher. Voilà. Et il venait me chercher de temps en temps. À la porte d'Orléans, et un jour il n'avait plus sa voiture, il avait emprunté la voiture de sa femme qui était une Fiat, qui était un pot de yaourt, et il est sorti de cette voiture où il touchait le plafond, le volant, tout, il prenait tout l'espace de la voiture. C'était juste improbable de le voir dans cette voiture. Guy Cojol, adorable. Ah ouais, dans cette voiture, il y avait quelqu'un qui parlait de la camionnette. Oui, Volkswagen, c'était vraiment, pour moi, c'est un souvenir. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche de cette Volkswagen. D'un combi. Cette année, avec mon mari, on se dit, j'aimerais en acheter une. Et puis finalement, c'est pas possible parce que c'est hyper cher, c'est hyper... C'est devenu très branché, les combis Volkswagen. Ouais, mais elle était trop bien, avec les grands matelas à l'arrière, pas de ceinture. Rien du tout, hein. Bah, à l'époque, il n'y avait pas. Bah oui. Et l'accessoiriste qui nous a fabriqué à tous à la fin de Papa Poule, en tout cas de la première saison, parce que j'ai un petit clap. Un petit clap, oui. On les montrera tout à l'heure, les petits claps. Oui. Moi, j'ai le mien. Petite partie sur la deuxième série, c'est la Tour Eiffel. Parce qu'effectivement, le dernier épisode de la deuxième série se situe sur la Tour Eiffel. Moi, j'ai un souvenir de tournage. On a passé des jours et des jours sur cette Tour Eiffel. Pas des jours et des jours, Geoffroy.
Attends, au prix où ça coûte, la Tour Eiffel, on n'a pas... Oui, mais on a bien passé une semaine, jours. Luce, non? On a bien passé une semaine jours. De tournage. Ouais, non, plus que ça. La Tour Eiffel, ça coûte une blinde. Ouais, mais je sais que déjà la première journée de tournage, on a passé sans monter sur la Tour Eiffel. Moi, j'étais complètement frustré parce que je m'attendais à ce qu'on monte sur la Tour Eiffel. Or, en fait, toute la durée des plans pour l'arrivée, pour etc., a duré déjà toute la première journée. Et ensuite, on a grimpé et on grimpait étage par étage parce qu'il se passait des choses. Donc, moi, voilà. Et donc, Amandine, toi, tu étais vraiment toute petite. On te voit là prendre la photo, là. Tu te souviens de la Tour Eiffel? Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais elle n'est pas avec moi. On a perdu la Didine. On a perdu Amandine? Oh mon Dieu. Ça fait un moment. Elle a dit qu'elle revenait. Ça fait un moment, oui. Ouais. Ah, ben alors, j'ai pas surveillé l'écran pour savoir. Et moi, j'ai un souvenir de la Tour Eiffel et de la camionnette parce que en sortant de la camionnette, il y a un siège, il y avait des sièges qui se rabattaient et je m'étais coincée un doigt sous le siège et on m'avait amenée à la clinique de l'Alma. Je m'étais éclaté l'ongle. Je me rappelle pas bien. Et en plus, j'étais tombée sur des médecins improbables qui m'avaient fait n'importe quoi. Et du coup, il a fallu après retourner chez le médecin, m'arracher l'ongle. Enfin, ça avait été pénible. Non, mais ça avait été un sketch. La clinique de l'Alma, ça avait été un sketch, je te jure. Ils m'ont piqué le doigt. Je sais pas ce qui s'est passé avec la seringue. La seringue est ressortie. Arrête. Il y avait une espèce d'infirmière qui était arrivée toute pomponnette comme ça avec un conteneur de coton. Ils étaient à deux pour ouvrir le conteneur de coton. Ça ne s'ouvrait pas. Enfin, c'était un bordel, cette clinique. J'étais repartie avec le doigt en vrac. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais je m'en souviens très bien. Voilà. J'ai bien récupéré mon doigt. Tout va bien. Bon. Je voudrais vous montrer une autre image qui est tout à fait intéressante et intéressante dans le fait qu'elles ne sont pas prises du tout à la même... à la même époque, mais vous allez voir la symétrie complète entre les deux images. C'est bien entendu notre réalisateur et notre auteur préféré. Ah oui, c'est trop drôle. À la fois sur un tournage et à la fois lors de l'inauguration du Square Papa Pool. Exact. Et regardez. La façon dont la caméra est posée, Daniel regarde toujours vers la caméra alors que Roger regarde dans l'autre sens. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je regardais quelqu'un. Je ne regardais pas la caméra. Ah ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les deux cas, le regard part sur ta gauche. C'est assez rigolo. Et on a. Alors moi, j'ai une vraie question. Parce que on a toute une série de photos là qui se situe sur un mini golf. Ah oui. Et moi je n'ai pas de souvenir de ce mini golf sur la première série, alors que. Et moi non plus. C'est bien la première série. Non, c'est la première série, la première saison à Joinville, on avait fait ça. Ouais. Par contre, moi j'ai un souvenir de bande annonce qu'on a tourné pour la deuxième série. Bande annonce que je n'ai jamais vue à la télévision, mais c'était pour annoncer la série. Et là, on l'a joué dans un mini-golf, cette bande annonce. On a tourné là. Okay. Et donc, je suis très surpris d'avoir vu ces images dont je ne me rappelle pas, parce que là, il y a une caméra derrière. Donc, on n'a pas simplement joué au mini-golf. J'imagine qu'on a tourné. Et donc, je ne sais pas ce qu'on a fait sur la première série sur le mini-golf. Et par contre, la deuxième série sur le mini-golf, oui, on a fait la bande annonce là-bas. Mais ce n'est pas tout à fait les images qu'on retrouve. Donc, c'est un mystère associé à cette série de photos. Est-ce que aucun vous... souvenir, en ce qui me concerne. Aucun souvenir non plus. Aucun souvenir non plus. Moi, j'ai un grand souvenir, mais surtout d'une partie folle de l'équipe technique, réalisation contre son, contre lumière, où on s'était claqueté comme des fous après le tournage avec... Sadi et les enfants dans le mini-golf. Ah oui. Ah ça, je me souviens de cette partie mémorable. Je ne sais plus qui a vaincu, mais on s'en fout, on se marrait comme des fous. On était vraiment une colonie de vacances en vadrouille, quoi, et on filmait, voilà. Et Roger, il adorait ça. Enfin,
petit à petit, il avait de plus en plus adoré ça. Je me souviens de Raphaël qui chantait vachement bien, qui faisait de la musique et tout. Ah oui, c'est possible. Et qui nous avait chanté l'air de la Reine de la Nuit, il faut quand même le faire, de la Flûte enchantée. Et hop, Roger a fait « J'achète » et « Youpi ». Elle la chante dans la première saison, mine de rien, en sortant du salon ou je sais pas quoi, quoi, pour aller à l'école. Il se servait de tout ce que vous pouviez amener, de tout ce que vous pouviez donner, en plus de ce cadre très, très précis quand même qui était le texte et ce qu'il souhaitait faire. Voilà. Ah oui, je me rappelle très bien tout ça. Oui, très très bien. Ouais. La musique. Et une autre anecdote là tout à l'heure, parce que la photo de Zest et de Jacques Rispal que j'ai avec lequel j'ai tourné dans d'autres téléfilms plusieurs fois, avec un bonheur. C'était un homme extraordinaire. Mais déjà avant le tournage, Roger et Daniel Goldenberg étaient hilar à l'idée qu'un mastodonte promène le voisin et qu'il porte, parce que le chien portait dans sa vie de chien le nom de Jet. Et à l'écran, c'était Zest. Et ce nom de Zest, une rognure d'ongle, enfin une rognure de chez Kaka, dont cette espèce d'énorme mastodonte qui faisait que quand même, je me souviens, les premiers jours de tournage de Jacques, il était moyen rassuré, quoi. Il tenait pas la laisse, hein. Et on avait un dresseur avec nous en permanence avec le chien, j'ai oublié son nom, qui était une pure merveille de la terre. Et j'ai une anecdote juste comme ça, en plus, qui m'est arrivée, c'est ma seule rencontre, mais elle m'est arrivée sur Papa Poule, c'est que, justement, Zest était occupé dans la rue, les enfants, tout ça tournait très très bien. Moi, j'avais été m'isoler derrière, dans le jardin de la maison de Montreuil, et je vois un magnifique bébé chien-loup. Et je m'approche lentement, tranquillement, vers ce bébé pour aller le caresser, pour aller le rencontrer. Et puis tout à coup, j'entends la voix du dresseur derrière moi qui fait « Caro, stop !» Je ne moufte pas, je m'arrête illico presto et tu reviens vers moi en arrière, très très doucement, et tu continues de regarder le chien. J'ai fait ça, je suis retournée vers lui, et à sa hauteur, il m'a expliqué qu'il avait attaché ce bébé chien-loup au fin fond du jardin de Montreuil pour l'habituer à lui au dressage, mais que ça n'était pas du tout un chien-loup, mais que c'était un jeune loup. Je m'en souviens. Je m'en souviens, pas du tout. Et ce regard, je le trouvais différent d'un chien. Ce regard un peu jaune, un peu qui me regardait, il est. Oh la vache, quelle rencontre! Quelle rencontre! Ben voilà, c'est tout. Alors voici quelques photos que je vais partager avec vous. Donc c'est toujours il y a pas mal de photos sur le mini golf, donc là vous voyez un DJ en délire là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend, Jérôme. Oui. Caro, c'était un bébé quand même, le loup, c'était pas un vrai loup là, enfin c'était pas un adulte. C'était un vrai loup, mais tout jeune. Ah oui, jeune, d'accord, ok. Pardon. Il était en train de dresser, donc il le voulait tout le temps avec lui. Je me souviens de ce loup. Merci pour la précision. Tu l'avais vu aussi? Je l'avais vu et je voulais le toucher. Effectivement, il nous avait dit non, c'est un vrai loup. Après, il avait fait gaffe parce que, bien sûr. Mmh. Donc, vous voyez, voilà typiquement une photo qui n'est pas, voilà, une photo prise hors tournage où on était avec Sadie, on lui grimpait dessus et voilà quoi.
Ouais. Ben, ça dit tout. Voilà. Vous voyez ouais. Ça aussi, ah oui, ça c'est, oui. C'est une belle photo, ça. Une belle photo, celle-là, oui. Ouais, elle est magnifique. Alors, voilà également Roger et le caméraman de la première, de la première série. Fontana, Roger Fontana. Qui sont en train, là, de je ne sais pas, savoir où ils placent la caméra. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais donc là, ça reste. Ouais, 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 c'est ça. Oh, les pantalons pas de def. Oui, oui, les pantalons. Oui, oui, oui. Bonjour, l'époque. Et Sadi devant. Oui, Sadi devant, bien sûr. Donc, voilà les deux petites, là, qui échangent je ne sais pas quoi. On est en train d'apprendre le texte, là, je pense, hein. Ah, peut-être oui. Simplement, il y a beaucoup de pages, hein, on le voit. Et plus que c'était, ça. Oh, ça, c'est mignon. Julienne dans son rôle d'aîné. Voilà. Et ça marchait avec Roger aussi. Bah, ouais. Le poilage. Alors, ça, c'est une photo de la deuxième série. C'est le départ en Ardèche. On avait Amandine tout à l'heure. Non, c'est la première. Oui, oui, c'est non, la deuxième série. Non, c'est la première épisode de la deuxième série. C'est Amandine, ouais. Ouais, oui. C'est Amandine là-devant. Et c'est là où on est retardé lors du départ en vacances et qu'on couche en route dans un hôtel. Là, il se passe toute une série d'aventures. Ah oui, l'hôtel. Oui. Voilà. Avec donc, Jean-Pierre Montal. Dont le ballon qui va aller casser une vitre de l'hôtel, si je me rappelle bien. Oui, exactement, oui. Et moi, je me souviens qu'en Normandie, on avait été se baigner, on marchait sur des galets, on n'avait pas de pompe, on avait mal aux pieds, l'eau était glaciale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bain. Ah oui, tout c'était à fait, juste oui. un cauchemar. Voilà. Où ça, en Normandie? Oui, en Normandie. On s'était baigné dans la mer et on marchait sur les galets, on avait froid, on avait mal. Ah, c'est possible. Bah, moi, je me rappelle l'Ardèche où il faisait chaud. Ben, moi, je me rappelle aussi. Ah bah, l'Ardèche, oui, j'imagine. Ça devait être génial, l'Ardèche. Voilà. Il y avait pas assez d'eau. Il y avait ah oui, pas c'était très beau, ouais. Il manquait d'eau. Ça, c'est la deuxième saison, non, Alex. La deuxième série, tout à fait. Alors, vous voyez, le vocabulaire à l'époque, c'était deuxième série. Aujourd'hui, on aurait dit saison. Ouais. Puisqu'on disait feuilleton, alors qu'aujourd'hui, on dirait série. Ouais. Donc, en fait, voilà l'expulsion. C'était un épisode où toutes les femmes du Papa Poule revenaient le voir pour des raisons aussi diverses que variées. Ouais. Puis il y avait une menace d'expulsion et on avait fait toute une manifestation dans les rues dans les rues de Montreuil pour aller jusqu'à la mairie. C'est vrai. Et donc on voit la première femme du Papa Poule là, Eva Renzi, qui est décédée. Eva Renzi. Était avec nous. Ouais, qui est décédée, Eva. Ah bon? Ah, il y avait des Eva gens qui demandaient ce qu'elle était devenue. Ouais. Elle était dentiste, orthodontiste ou je sais pas non, quoi. Non, ça c'était la deuxième femme. Ah non, c'était la deuxième. Ah, c'est la deuxième. C'est la première. Non, elle travaillait, elle militait pour l'écologie. Elle militait pour l'écologie. Vous vous souvenez pas pour contre le nucléaire? Mais oui, si, elle faisait des autocollants qu'on allait coller partout. Voilà, je me rappelle très bien. Elle avait un accent allemand magnifique. Ouais, qui est en forme de soleil, les autocollants. Belle dame. Très belle, ouais. Superbe. Voilà. Ah, c'était la deuxième, le dentiste, d'accord. Oui, c'était Juliette Mills, ouais. Juliette, ok. T'as raison. C'est la deuxième qui est dentiste. Ouais, ok. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Jérôme. Non, mais sans déconner, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Si, mais si. On t'entend. Ton micro est plus bas. Dans l'écouteur, mais on t'entend. Mais elle est décédée quand, Eva? Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je vous appelle. J'en sais rien. Je sais pas. Elle est décédée début des années 2000. Elle est décédée très jeune. Ah, merde. Également. Maladie. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je sais pas. Alors là, je pourrais pas te dire, mais elle est décédée très jeune. Je l'ai revue dans l'un de ses films. Il n'y a pas longtemps, là, l'oiseau de cristal où elle jouait une meurtrière. Ce n'était pas du tout son rôle dans Papa Poule. Mais oui, j'ai vu qu'elle est décédée très jeune. Alors, voilà. Je vais vous montrer les photos du clap. Alors, d'une part, la photo de Suzanne tenant le vrai clap de tournage. Oui, j'avais le droit de le faire, je me souviens, c'était trop bien. Voilà, et puis les petits claps dont nous avons hérité que l'accessoiriste nous avait fait, mais ils sont collés en bas.
On ne peut pas clapper. Si, si, tu peux clapper. Ah, si, moi, j'en avais un, je pouvais clapper, ouais. Oui, tu peux clapper. Mais l'ouverture est a cédé sur le mien. Ça, c'est le mien. Moi aussi. Voilà. Mais ça, c'était une fois. Ça ne se fait plus du tout. Eh oui. Ouais. Avant, sur les films, à chaque fin de film, les accessoiristes faisaient des petits claps. Eh oui, oui, oui. Absolument. Ça ne se fait plus. Ouais. Et maintenant, ça se fait encore le clap avant une séquence? Oui, non, parce qu'il y a des time codes, c'est différent. Mmh. Au théâtre, c'est un clap, mais il est juste numérique. Bon, oui. Ça, ouais. Ah d'accord, oh, bon. C'est dommage, oui. Hein, parce que c'était beau, c'est comme les trois coups avec le brigadier. Mmh. Quoi. C'est comme au théâtre, les verres peints. Les verres peints au théâtre, les verres d'affiche. Ah oui, absolument. On ne fait plus ça, elle est morte la dame. Elle est morte. Ouais, on finissait une pièce et on repartait avec son verre, avec peint l'affiche. Oui. J'ai pas connu ça, moi. T'étais trop jeune. Bah oui. Et puis je voudrais partager une dernière séquence avec vous, qui sont des photos d'Ardèche. Je ne sais pas si vous le voyez, laissez-moi arriver, voilà. Donc avec tous les comédiens qui étaient sur place en Ardèche, on voit Roger au fond. Et qui c'est au premier plan, la brune ? Au premier plan, c'est Gwenaëlle. C'est Gwenaëlle, oui. Je la reconnais pas. Celle qui jouait l'une des filles Chabar, voilà. Oui, exactement. Ouais, ça y est, je la reconnais maintenant. Gwenaëlle Menspécheux, c'est ça ? C'est ça. Ouais, oui, d'accord. Il y a Amandine et Raphaël. Il y a Amandine et Raphaël. Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà, là, c'est nous qui marchons dans le champ pour aller. C'est juste à côté de la maison, là. C'était une belle photo, ça, oui. Mais non, je suis con. Vous allez dire, il y a Amandine et Suzanne. Je me trompe pas. Ah non. Non, ça, c'est pas possible. Ah oui, c'est pas possible. Ah non. Donc, celle-là, vous l'avez vue tout à l'heure. Oui. Voilà. Avec Monsieur Long. T'en avais une sublime aussi de Roger en noir et blanc avec la pipe et les enfants sur lui. Alors, ça, je ne l'ai pas. Et alors, ça, c'est une photo pour les vrais fans. S'il y en a encore avec nous, c'est une scène que nous avons tournée en Ardèche et qui est repassée plus loin dans le feuilleton comme étant de la Varappe à Fontainebleau. Tout à fait. Et c'est dans le deuxième épisode, celui du crime de Monsieur Zinard. Voilà. Ah oui, c'est vrai, puisqu'on parle de... Je voudrais partager un truc un peu licencieux, on va dire, comme ça, qui s'est passé en Ardèche. Guy Cojol, coupé, il arrête sa caméra, 3 secondes plus tard. Là-dessus, on arrive au rush. Vous, les enfants, vous n'étiez pas invités au rush, donc. Et on regarde les rushs, et comme il n'avait pas coupé très vite sa caméra, on voit dans le fond, c'est au bord de la rivière, on voit dans le fond un couple qui fait l'amour, tranquillement. Et nous, on était morts de rire au rush. Guy Cojol, le premier surpris, il ne l'avait même pas vu. C'était une prise longue focale. Donc, voilà, c'était comme ça. Et ce qui était drôle aussi, je ne sais plus qui a mis l'autre jour un post de la cantine en Ardèche. Et là, c'était drôle. Je crois que c'était Jérôme qui avait envoyé. Venez et demandez, disait le restaurant, on peut avoir des places et tout. Des gens venaient du bord de la rivière. C'est possible, ça, oui. J'espérais qu'il y avait une cantine, il y avait des super gâteaux. La cantine était super chouette et il y avait des gâteaux sous des cloches et tout. Ils disaient, est-ce qu'on peut déjeuner là et tout. Ah ben non, ça ne va pas le faire. Ça, je me rappelle ça, oui. Voilà. Et puis une dernière image qui va sans doute clôturer notre soirée également parce qu'on voit l'heure qui tourne. C'est la dernière, là, femme de Papa. La dernière image de la série et c'est le mariage final avec cette actrice qui s'appelle Marie Caguet. Alors, moi, je peux commenter l'histoire, c'est que moi, je connais la suite, mais elle va rester très provisoire, hein, celle-là. Ils vont pas rester ensemble, il va rester Papa Poule. Ah, ouais, elle révèle des choses qui auraient pu être dans la troisième série, Daniel. Exactement,
Moi, j'avais la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Hein. C'est enfin, pas vrai. Grosso modo. Hein. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça a arrêté? Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs versions. Alors, au moins, donne-nous la tienne. Moi, je crois que la raison principale, c'est la bêtise. La bêtise des gens qui ont le pouvoir et qui ne savent pas quoi en faire et qui font généralement des conneries. Et Barma, par exemple, voulait faire, quand il a vu la première série, il a dit « on va en faire 10, prépare-toi ». Parce que c'est un truc, c'est la série idéale parce que c'est un personnage sur lequel on peut brancher, comme je l'ai fait moi, plein d'histoires. Mmh. Mais les gens à la télévision, ça n'a pas changé, ils sont très bêtes. Donc, ils sont dirigés par des idées qui surgissent comme ça. Comme le gars qui m'a dit « je voudrais une série familiale ». Il dit, mais une série familiale, alors faisons Papa Poule. Ah, mais non, pas ça, une série familiale. Donc, c'est ça. On devait continuer et on n'a pas continué parce que les gens n'ont pas compris, n'ont pas apprécié ce que nous, on est en train de dire tous en ce moment. Ils ont pas. Barma, oui, parce que Barma, c'est lui qui est. Comment dire, qui a compris tout de suite, parce qu'un jour, quand j'avais fait le film avec Roger, dont parlait Caro, Marthe, devant 18, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mais t'as pas quelque chose toi, dans tes tiroirs qui pourrait faire quelque chose, parce que ça serait bien qu'on ait quelque chose qui puisse faire quelque chose. T'as rien, toi, dans tes tiroirs? Alors, je dis, si, j'ai quelque chose. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas encore trouvé le titre. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est ton truc? Alors, je lui dis, j'ai appelé ça l'homme de famille. C'est un homme à qui les bonnes femmes laissent leurs enfants parce qu'elles vont vivre leur vie, etc. Et lui, il les élève tout seul. Il a dit, appelez mon adjoint, et il m'a fait signer un contrat tout de suite. J'ai signé le contrat sur l'heure. D'accord. Et c'est quand même une histoire extraordinaire. Et ça dit, ce qui était extraordinaire, c'est que quand on a écrit la série, que j'avais fini de l'écrire, qu'on allait la jouer, qu'on allait la tourner, il n'y avait pas de Papa Poule. Donc, il avait pensé à un type qui était un meneur de jeu à la télé qui était très sympathique et très très connu. Et Barma avait dit, ça sera lui le Papa Poule. On lui donne le scénario et voilà. Alors c'est lui ou ça se fait pas. Alors nous, et Roger et moi, on dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va lire, il va trouver ça mauvais. Ou il va lire, il va trouver ça bon, mais on ne sait pas. Encore ce soit lui qui joue le rôle, ou alors tout va tomber à l'eau. Et donc, Barma nous appelle, Roger et moi, et nous dit, venez, Tartampion, viens dans mon bureau, il va nous apporter la réponse. Alors, il arrive, le type en question, je ne sais même plus qui c'est, et puis il dit, c'est formidable, c'est une série formidable. J'ai jamais lu un truc comme ça, c'est vraiment, faut le faire. Alors, Barma dit, mais alors tu le fais? Il dit non, je ne le fais pas, parce que moi, c'est ma seule période, vous allez tourner ça pendant les vacances, moi, c'est ma seule période où je peux être avec ma famille, je peux pas. Je voudrais bien, je peux pas. Mais si vous voulez un conseil, faites-le. Alors, il sort de la pièce, et puis Barma dit, il y a un type qui veut faire ça. Il y a un type. Alors on dit, mais qui? Sadi Rebo. Appelez-le. Alors, ouais. Il appelle Sadi Rebo, qui laisse, il dit, laissez-lui un message qui vienne d'urgence à France 2, à Antenne 2. J'ai quelque chose à lui dire de très important. Tout de suite.
Alors, Shadi, je ne sais pas si vous savez, mais Shadi, il interrogeait toujours son répondeur, parce que comme il doublait pas mal, les gens, bon. Donc, il a eu sur son répondeur le message de Barman. Il arrive, il dit Qu'est-ce qui se passe? Et alors, Barman lui dit tu es libre? Alors, c'est-à-dire, j'ai une pièce au théâtre Grammont avec du puits et une pièce de Shakespeare, je crois, bon. Et je dois signer mon contrat cet après-midi. Alors, Barman lui dit, signe rien du tout. Rien du tout. Mais Papa Poule. Qu'est-ce que c'est ça, Papa Poule a dit, tiens, voilà les 6 scénarios, signe-lui un contrat. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je dis, moi, à Dupuis? Oh, bah, tu lui dis que tu envoie-le-moi. C'est ça, dans la même après-midi. Daniel. Mais c'était un vrai producteur, Barma. C'était pas. Mais attends, il y a un réalisateur, un homme cultivé qui allait. Jérôme qui les rois maudits, quand même. Comment? Excusez-moi. C'est les rois maudits, Claude Barma. Caro, laisse-moi parler. Comment? T'as perdu Jérôme, là. Laisse parler Jérôme. Non, mais c'est horrible parce que j'ai Jérôme, c'est parce qu'on t'entend pas fort du tout, c'est pour ça. Je comprends pas, ça marche pas mon micro, je suis désolé. Ici, on t'entend, mais être faible, mais vas-y, parle. Alors, non, parce que moi, j'ai eu la version de papa qui me disait, j'ai failli pas le faire parce que avant, il faisait que des rôles de méchants. Oui, c'est ça. Et c'était vrai aussi. C'est vrai. Attendez, la chaîne ne voulait pas. Non, mais Jérôme, pour Barma, c'était cuit, hein. C'était radical. Ah bah, c'est lui qui a dit. Mais attends, Daniel, je suis en train de gueuler parce que ça ne marche pas. La chaîne, Claude voulait, mais le directeur de la chaîne disait mais non, ça dit Rebaud, il ne fait que les méchants. Oui. Et après Papa Poule, on lui proposait des rôles de méchants, on disait mais non, ça dit Rebaud, il ne fait pas Papa Poule, il ne peut plus faire de. C'est une merde, pas possible. Voilà. L'étiquetage des comédiens à la con. Ouais. Non, après, enfin bon, les aventures de. Les choses qui ont suivi à Papa Poule à la chaîne, parce que Barma, il se battait pour les gens, pour la série. Alors nous, il y avait des gens à la chaîne qui disaient mais ce type-là, Papa Poule, il n'est pas un peu. Arabe. Un peu quoi? Ben, c'est pas. Il ne serait pas un peu homo quand même, un peu. Alors je dis, une femme qui élève toute seule ses enfants, est-ce que vous pensez qu'elle est lesbienne? Voilà. On doit lutter. Hein, Autre temps, autre mœurs. Daniel, voilà. Daniel, je peux te dire, la musique de Papa Poule, elle n'a pas été pompée par Patrick Sébastien. Non, elle a été pompée par Patrick Sébastien. Non, c'est vrai? Sur quoi? Le petit bonhomme en mousse. Il a repris ça. Ah ouais? Ouais. Absolument. Le petit bonhomme en mousse. Il y a eu un procès. Hein. Il y a eu un procès. Ah ouais? Ça n'a pas abouti. Il a été perdu. Ah ouais? Ouais. C'est formidable. Ah ben elle était super la musique de Didier. Petite question, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il est devenu Didier Vasseur? Il est mort. Ce qui me semblait alors. Il y a très j'avais fait un sur une recherche et il y a très longtemps. Il est mort il y a 10 ans. En 2004. Ouais. Mais est-ce que vous savez que Lina a mis en ligne le Papa Poule. Vous savez ça? Moi, j'ai revu à la télé, sur la TNT. En streaming. Oui. Non, j'en ai revu normalement à mon écran TNT normal. Et il casse la baraque. Ah oui, c'est marrant. Il avait cassé la baraque, ouais. À Lina. Il y a un type, un journaliste, je ne sais pas, c'est une copine qui m'a appelé tout de suite, parce qu'il y a un journaliste qui parlait de Papa Poule qui parlait de tous les programmes qui étaient diffusés, etc. Et il disait, mais Papa Poule casse la baraque. Et c'est vrai, pour une fois, tu vois, parce que
généralement, dans ces cas-là, tu touches des clopes. Et moi, un jour, j'ai reçu à la SACD 300 euros. Moi, j'ai reçu 20 euros. Mais... Oh, bon, ça veut dire que... Moi, je ne sais plus. Pour la 10. 40. Et ça voulait dire que, bon, lui, ils sont mettre plein la poche, mais ça voulait dire que c'était vrai que ça marche. Eh bien, ça veut dire que 40 ans après, Papa Poule est toujours vivant. Donc, ouais. Moi, je voudrais remercier tous les participants ce soir qui se sont liés au projet, mais comme d'un seul homme, on n'a pas eu à les forcer, aucun d'entre eux. Et ça a été un plaisir de tous se retrouver. Ouais. On a, je pense, parlé maintenant près de 2h30. On aurait encore tellement de choses à dire. Ah ouais. Ouais. Voilà, c'était l'expérience. On l'a fait merci dans des conditions. Geoffroy. On l'a fait dans des conditions. Merci. Bravo, merci. Geoffroy. On l'a fait dans des conditions merci. Compliquées. Merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous ce soir. Et enfin, ben merci à tous les fans parce que c'est vous qui continuez à faire vivre cette série, c'est vous qui continuez à la regarder, c'est vous qui continuez à entretenir cette flamme. Donc, merci à vous tous. Et puis, juste une pensée avant que tu dises au revoir. Oui. Il y avait une comédienne que j'avais trouvée magnifique qui s'appelait Sylvie Granotier. Oui, qui alors, oui, la fiancée de Papa Poule. Elle est auteure maintenant. Elle est auteure. J'ai lu un bouquin tout à fait formidable qu'elle a écrit. Elle est scénariste aussi. Oui, tout à fait. Une très belle dame. C'était les quatre femmes du Papa Poule là, qu'on a évoquées. Eva Renzi, Juliette Mills, Sylvie Granotier et Marika Green. Voilà les quatre. Voilà. Les quatre femmes complètes du Papa Poule. Monique Garnier, ma mère. Monique Garnier. Les quatre femmes. Et les quatre, bon voilà, oui, nous sommes d'accord. Et Monique Garnier, la mère de Jérôme. La mère de Jérôme, Monique Garnier. Je voulais participer sur plein de trucs, on ne m'entendait pas, quoi, c'est horrible. Eh bien, il faudra le refaire, Jérôme. Mais t'es là, grand, t'es là. Il faudra le refaire, Jérôme. Ouais, non, mais vrai. Donc, encore pardon à tous ceux qu'on n'a pas cités ce soir et qui ont participé au spectacle et au succès de cette série. Et puis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce visionnage. Je vais voir si je peux le mettre sur Internet, sur YouTube ou sur d'autres supports pour le faire vivre et que d'autres puissent en profiter s'ils n'étaient pas là avec nous ce soir. Très bien. Merci, Geoffroy. Merci à tous. Merci à vous. Merci, et merci à tous les fans. À très vite. J'étais très, très content d'être là. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir. J'espère qu'on se verra aux 100 ans du Père Poule.